Est-ce que vous avez des options en plus? Alors, Nantes, mais si je me remets sur Nantes. Ok, j'ai compris, je vois. Il y a un truc qui dit que je peux le mettre. Bah oui, je vois. Et tu vois pas là où il y a là où il y a ma vidéo, il y a un autre écran où il y a mon PowerPoint. Là, ça là. Donc là, là Ok. je vois ton PowerPoint. Ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Le chat. Je peux pas parler dans le chat. J'ai demandé. Ok. Tu peux pas, d'accord. Non, tu peux pas parler, tu peux écrire. Je peux écrire non plus. Tu peux... Ok. Donc là, je peux pas modérer. Et là, pareil, tu ne peux pas me. Donc là, moi, c'est bon, il y a ton écran, il y a ton PowerPoint. Ouais. Et pareil, tu n'as pas une option pour me faire monter sur scène. Attends, là, parle. Attends. Non, je t'entends sur mon téléphone. Pourtant, ça a l'air. Maintenant, tu es affiché en blanc, comme si tu existais. Mais non, je ne t'entends pas. Je peux pas faire plus. Est-ce que là tu m'entends? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Mais pas. Et... Là j'ai coupé le son de mon WhatsApp, donc si tu m'entends, c'est que c'est au bon Ok, endroit. est-ce que là tu vois le chat? Alors. Sur ton côté droit? Ouais, je vois le chat, mais je peux toujours pas interagir. Non, mais ça t'inquiète pas, Ah. c'est pas très Et grave. Si... Au je pire, si vois je peux. ton micro qui bouge, Ouais. comme si tu parlais, mais pourquoi je t'entends pas? Est-ce que tu as activé le son sur... Est-ce que tu as activé le son? Je m'étais mis en muet, tu as raison, c'est bon. C'est Bonsoir à tous. Désolé, on est encore en train de valider les derniers détails techniques. Vous rejoins tout de suite. Ok. bon, tout le monde nous entend. Ouais. Et est-ce que tu vois le chat, toi? Ouais, je vois le chat. En fait, je peux voir les messages, mais je ne peux toujours pas y parler. Ah. C'est ça qui est étonnant. Je pense que tu peux désafficher le chat sur l'écran. Parce que toi, en fait, ton PowerPoint, il est coupé par le... Ah oui, ok. Ok, très bien. Bon, au pire, je sélectionnerai les questions et je vais attendre de voir ce que me répond la personne. Si tu veux commencer, il n'y a pas de souci. Et moi, Ok. je m'occupe de ça en backstage et je te dirai s'il y a un souci. Ça marche. Et bien, du coup, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Laliane Siala, je suis interne en hématologie au CHU de Poitiers et je suis accompagnée aujourd'hui de Pierre-Édouard de Bureau qui est en post-internat et donc on va vous corriger la conf hématologie que vous avez fait cette semaine. J'espère que ça a été pour vous. Donc du coup, on va commencer par les DP et ensuite on fera les questions isolées. On va pas forcément insister beaucoup sur toutes les questions. Vous aurez normalement une correction écrite détaillée, mais si pendant le live il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Mon collègue y répondra en direct et puis si besoin, j'interviendrai en live pour partager avec tout le monde. Alors, est-ce que ça fait bien? Ok.
Donc, le premier DP, c'était un DP sur l'anémie. Donc, on a une patiente de 72 ans qui vous est adressée par son médecin traitant pour un bilan d'anémie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a pour principaux antécédents un cancer du sein qui a été traité par mastectomie et radiochimiothérapie il y a 15 ans, une hypothyroïdie supplémentée et un vitiligo. Et donc, voici sa prise de sang avec laquelle elle vient. Donc, en hémato, les prises de sang, c'est un petit peu la base de notre métier. Donc, dès que vous avez une prise de sang, bah, tout de suite, regardez si vous voyez des anomalies avant même de chercher le pourquoi du comment. Donc, on vous a volontairement pas mis les normes parce que bon, bah, c'était un dossier facile et c'est bien quand même d'essayer de voir les anomalies sans juste se fier à est-ce que le laboratoire a mis la valeur en gras ou pas. Donc là, ce qui devait vous alerter déjà, c'était le taux d'hémoglobine qui était à 8,9. Et dès qu'on cherche à caractériser une anémie, il y a deux choses qui doivent vous venir. C'est donc le VGM pour qualifier l'hémoglobine, enfin l'anémie, savoir si elle est microcytaire ou macrocytaire, et le taux de réticulocyte, savoir si elle est régénérative ou pas. Souvent, les dossiers, ils commencent comme ça. Donc, la première question, c'était comment caractérisez-vous cette anémie? Et donc, les réponses exactes, c'était macrocytaire et arégénérative. Là, il n'y a rien de bien méchant, il faut juste connaître les valeurs. Donc, la macrocytose, un VGM supérieur à 100, et régénérative ou arégénérative ou non régénérative, donc avec un taux de réticulocyte supérieur à 120. Je crois que j'ai un doute, je me demande si c'est pas 150 maintenant, mais de toute façon, on ne vous mettra jamais une valeur qui est comment dire, qui peut prêter à confusion. Voilà, c'est soit on vous met bien supérieur à 150, soit on vous met bien supérieur à 120, donc comme ça, il n'y a pas de débat. La deuxième question, c'est donc à ce stade, quelles vont être vos hypothèses diagnostiques devant cette anémie macrocytaire? Et donc du coup, les réponses exactes, c'était l'anémie mégaloblastique et le syndrome myélodysplasique, qui sont donc les deux grandes causes d'anémie macrocytaire. Je vous ai remis dans l'encadré donc toutes les causes d'anémie macrocytaire qu'on peut retrouver, l'éthylisme et les autres hépatopathies. Donc, l'anémie mégaloblastique avec le déficit en B9 et en B12, le syndrome myélodysplasique particulièrement chez le sujet âgé, certains médicaments qui vont altérer la synthèse de l'ADN et donc qui vont induire une anémie, notamment l'Hydrea, le méthotrexate, l'insuffisance médullaire avec des pathologies assez rares comme le syndrome de Fanconi et l'hypothyroïdie. Ici, ce n'était pas le cas parce que notre patiente, bien qu'elle ait une hypothyroïdie, elle était supplémentée et son taux de TSH, il était dans les normes. Donc, du coup, l'hypothyroïdie ne pouvait pas être responsable de son anémie. Les autres causes, l'anémie hémolytique auto-immune, ça donne des anémies qui sont normocytaires, parfois macrocytaires, mais qui vont être liées à un défaut de l'automate qui va du coup compter le taux de réticulocyte comme étant des globules rouges, et donc comme les réticulocytes sont plus gros que les globules rouges, induire une fausse anémie. Et les anémies hémolytiques et auto-immunes, ça donne surtout c'est régénératif, donc vous avez un taux de réticulocytes élevé. La carence martiale, ça donne des anémies microcytaires. Alors, quel examen vous allez demander en première intention pour étayer ce diagnostic? Donc, si on pense à une anémie mégaloblastique, on va bien évidemment doser la B9 et la B12. La ferritine et le fer sérique, ça va servir c'est le bilan martial, donc ça va être pour un bilan d'anémie microcytaire. Et le myélogramme, dans ce cas, il faut le réaliser en première intention. Alors, dans vos bouquins, il est écrit que si on a une cause évidente de l'anémie macrocytaire, un dosage de vitamines effondrées ou une TSH qui n'est pas dans les normes,
on n'est pas obligé d'aller jusqu'au myélogramme. En général, on va quand même essayer de ne pas passer à côté d'une hémopathie maligne, surtout dans ce cadre-là où votre patiente elle a 72 ans, donc sujet âgé, donc potentiel risque de faire un syndrome myélodysplasique. Et en plus de ça, elle avait un antécédent de cancer traité par chimiothérapie. Les chimiothérapies de cancer du sein, c'est souvent avec des anthracyclines, et les anthracyclines sont des chimiothérapies qui donnent des syndromes myélodysplasiques et des leucémies aiguës. Donc chez cette patiente, on va forcément aller éliminer ce diagnostic-là. Et donc du coup, dans votre dans le collège d'hémato, on vous a remis du coup l'algorithme pour l'anémie macrocytaire. Avec donc du coup les deux grandes causes régénératives ou arégénératives, donc toujours éliminer des dosages qui vont être faciles et peu invasifs, donc on fait la B9, on fait la B12, bilan hépatique et le bilan thyroïdien. Si on n'a pas de cause évidente, mais on peut se sursoir au myélogramme, mais il faut quand même prendre en compte le contexte et le terrain et ne pas passer à côté d'une hémopathie maligne. Donc, vous avez reçu les résultats du bilan complémentaire. Donc, on a un taux de vitamine B12 à 75 picogrammes par ml, donc qui est très en dessous de la norme. Et, le taux de vitamine B9 qui est dans les normes. Et vous avez aussi demandé une haptoglobine qui revient indosable. Donc, quel bilan complémentaire vous allez demander pour confirmer le diagnostic de la maladie de Birmer? Donc, ça, c'est du cours. La maladie de Birmer, c'est une maladie auto-immune. Donc, on retrouve, il faut faire le dosage des anticorps antifacteurs intrinsèques et anticellules pariétales gastriques. Ce n'est pas des anticorps qui sont retrouvés systématiquement dans la maladie de Birmer, mais le fait qu'ils soient positifs, ça vous conforte dans ce diagnostic. Les anticorps antinucléaires, c'est des anticorps qu'on retrouve dans d'autres pathologies auto-immunes, notamment le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Les anticorps antitransglutaminases, ça rentre dans le cadre de la maladie cœliaque. Alors, la question 5, c'était comment est-ce que vous allez expliquer les anomalies du bilan de biochimie? Donc, ce qu'il fallait noter en plus de la NFS, c'était donc qu'on a une haptoglobine qui est revenue indosable dans notre échantillon et on a une bilirubine qui est augmentée ainsi qu'un taux de LDH qui est supérieur à la normale. Donc, comment est-ce que vous expliquez ces anomalies-là? Ce qu'il fallait répondre, c'était une hémolyse intramédulaire. Alors, peu importe la manière dont vous l'avez écrit, intramédulaire avec un tiret ou juste médulaire, on les a tous comptés, mais c'est des anomalies du bilan biochimique qu'il faut retrouver, qu'on peut retrouver dans la maladie de Birmer et qu'il faut rechercher. Alors, on a dit tout à l'heure que les anémies hémolytiques auto-immunes, elles étaient caractérisées par un taux de réticulocytes qui était élevé. Donc, on a deux types d'anémies hémolytiques. On a les anémies hémolytiques périphériques qui vont avoir lieu ou dans le sang périphérique ou dans la rate et qui vont donner les signes caractéristiques qu'on a retrouvés ici avec une bilirubine élevée, un taux de LDH élevé et une haptoglobine qui est indosable avec un taux de réticulocyte qui est élevé. Dans le cadre de la maladie de Birmer, en fait, comme la vitamine B12 est lente, oui, on entend. Tu veux parler? J'ai entendu un test de son. Donc, non, c'est pas moi. désolé. C'est peut-être une fausse manip, mais non, t'inquiète pas. Ok. On t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Ça marche. Donc du coup, dans la maladie de Birmer, donc la vitamine B12, comme elle entre dans, elle participe à la synthèse de l'ADN des érythroblastes.
qui dit anomalie de la synthèse d'ADN dit apoptose cellulaire. Et donc, en fait, ces réticulocytes, ils vont lyser avant d'avoir le temps de sortir de la moelle osseuse. Donc, on va retrouver tous les signes de la lyse, comme le taux de LDH élevé ou le taux de bilirubine élevé. Mais comme ces réticulocytes, ils n'ont pas eu le temps d'aller dans le sang, eh ben, on n'a pas de réticulocytes dans le sang. Ensuite, on vous demandait la prise en charge de la maladie de Birmer, en comment est-ce que vous alliez prendre en charge votre patiente. Donc, pour rappel, on avait un taux d'hémoglobine qui était à 8,9 avec des stigmates d'hémolyse intramédulaire sans autres anomalies du bilan. Et donc, du coup, les réponses exactes. C'était donc la fibroscopie tous les 3 ans et le contrôle du bilan martial. Dans la vitamine, dans l'anémie de Birmer, souvent l'anémie, elle s'installe progressivement. Donc les patients, ils ont le temps de s'adapter à leur anémie. Et puis surtout, là, à 8,9, sans signe de retentissement clinique, vous n'avez pas d'indication à transfuser votre patiente. Si vous supplémentez votre patiente, son anémie, elle va se corriger tranquillement. Donc pas besoin de transfusion. Souvent, on vous donne comme seuil transfusionnel une hémoglobine inférieure à 7. Voilà, c'est à prendre aussi en compte en fonction du contexte. Mais là, on n'avait pas de signe de mauvais retentissement ni d'indication transfusionnelle, donc pas besoin. La supplémentation parentérale de la vitamine B12, elle ne se fait pas pendant 2 ans, elle se fait à vie. Et puis, il n'y a pas d'indication à prendre d'IPP à vie. La maladie de Birmer, ça entre dans le cadre des gastrites, mais dans la physiopathe, vous avez aussi une baisse enfin, vous avez une achloridrie dans la maladie de Birmer qui fait que vous n'avez pas autant de sécrétion gastrique que quelqu'un qui aurait une gastrite pas auto-immune, et donc il n'y a pas besoin d'inhiber la synthèse acide au niveau de l'estomac. Par contre, donc, c'est une pathologie qui donne une atrophie en fait, de l'estomac, et donc la FOGD elle est indiquée tous les 3 ans pour rechercher une pathologie néoplasique, notamment un adénocarcinome ou alors des tumeurs neuroendocrines. Et pourquoi on contrôle le bilan martial? Parce que dès que vous allez recharger en vitamine B12, l'érythropoïèse, elle va reprendre chez votre patient. Et donc, vous avez un risque, en fait, de vider vos réserves en fer liées à la reprise de l'érythropoïèse. Et donc, du coup, on s'assure que le patient il a suffisamment de stock pour ne pas passer dans le versant inverse avec une anémie microcytaire. Donc là, un petit rappel sur le métabolisme de la vitamine B12. Donc la B12, alors il n'y a pas forcément tout qui est intéressant dans ce schéma, mais c'est donc une molécule qui va être absorbée au niveau de l'iléon. Et en fait, au niveau de l'iléon, elle est absorbée quand elle est associée au facteur intrinsèque. Sinon, elle ne passe pas au niveau des cellules iléales. Et donc du coup, ça explique bien que si vous donnez de la vitamine B12 per os, et ben en fait, comme vous avez toujours les anticorps anti-facteurs intrinsèques, la vitamine B12, elle ne pourra pas se lier à ce facteur et elle ne pourra pas être absorbée, d'où le fait qu'on ait besoin de la passer directement en parentérale. Et donc la prise en charge, donc, ben voilà, je vous la rappelle, les posologies, elles sont à connaître. Donc c'est une phase d'attaque avec 10 injections intramusculaires de vitamine B12, puis une phase d'entretien avec une injection tous les 3 mois, et cela à vie. Vous n'avez que ça à retenir. Après, en fonction de ce que va décider le gastro-entérologue, il peut, selon les cas, adapter les posologies, mais ce qu'il faut retenir, c'est une phase d'attaque, puis d'entretien à vie. Et donc, la surveillance qui se fait par la numération, et ne pas oublier le bilan martial, et puis surtout, la fibroscopie, tous les 3 ans, elle aussi à vie.
Et la dernière question, donc les pathologies qui sont associées à la maladie de Birmer. La maladie de Birmer, c'est une pathologie auto-immune, donc elle est souvent associée à d'autres pathologies auto-immunes dans le cadre de la polyendocrinopathie de type 2. Et donc, souvent associée, on a une hypothyroïdie, un vitiligo et un diabète de type 1. Donc c'était tout pour le dossier numéro 1. Je regarde juste si vous avez des questions en particulier. Alors, du coup, tu m'entends? Ouais. Ah oui, le TNN hypersegmenté, tout à fait. La Ouais, en fait, on a. consignation, c'est Ouais. dans le syndrome myélodysplastique. Ouais, on est désolé, on a fait une, Oui, on a fait une coquille. Du coup, on répète, hypo-segmenté, c'est plutôt en faveur d'un SMD, vu que les cellules n'arrivent pas à bien se former, versus normalement la carence en vitamine, vu un manque d'ADN, il va y avoir une division, une mitose en moins, ce qui fait qu'ils sont souvent hyper segmentés, les polynucléaires. Donc on est désolé d'avoir fait cette erreur, on la fera corriger sur le sujet, on mettra un petit erratum. Sinon, il y a eu un petit débat sur le myélogramme. Parce que dans le collège de médecine interne, il n'est pas recommandé de faire de myélogramme dans le contexte de carence en vitamine B9, B12. Pour avoir débattu plusieurs fois avec mes collègues internistes, on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais les hématologues et les dossiers de l'ECN, enfin de l'ECNI qui sont déjà tombés, sont plutôt en faveur de réaliser un myélogramme. Donc moi, je vous conseille en dehors, comme l'a dit Lali, si vous n'êtes pas dans un contexte évident de malabsorption, ou autre de rester sur le milogramme. Et puis surtout qu'ici, on a volontairement forcé le trait, mais une patiente qui a un antécédent de cancer avec de la chimiothérapie, il faut aller voir au myélogramme ce qui se passe. Tout à fait. Et voilà, c'est rare, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un cas sur 400 de carence en vitamine qui est secondaire à une hémopathie. Mais c'est ce patient-là que vous avez envie de diagnostiquer, de pas passer à côté, parce que ça peut avoir des conséquences sur son devenir. Hein. Vous pouvez passer à côté d'une phase de maladie débutante pour laquelle il y a certains traitements qui sont disponibles, et aussi de complications. Par exemple, les syndromes myéloprolifératifs où vous ratez le diagnostic, ça peut être gravissime en termes de thrombose. Et puis bon, bah, la dernière question, pareil, c'est Ouais, c'est la même. toujours ce myélogramme. Mais oui, un hématologue ira au myélogramme. Donc si c'est un dossier d'hémato, Voilà, c'est un peu toujours la difficulté. il fait la place. Bon, sinon, en termes de temps, on est très bien. Donc, je te laisse continuer et je réponds toujours aux questions sur le chat. Parfait. Donc on va passer au DP numéro 2. Donc cette fois-ci, vous êtes de garde aux urgences et donc il y a l'IAO qui vient vous voir pour savoir dans quel délai un patient doit être vu. Donc ça, c'est les orientations aux urgences vert, orange et rouge, enfin, peu importe les couleurs. Et donc elle vous explique rapidement, c'est un jeune homme de 31 ans qui se présente aux urgences pour des céphalées intenses depuis 36 heures, associé à des hématomes apparus spontanément au niveau des membres inférieurs et d'extension rapide en dehors de tout contexte traumatique. Et on vous demandait quelle était la première information que vous alliez demander à l'infirmière. Donc là, le tableau céphalée, enfin patient jeune céphalée plus purpura extensif. De tout de suite avoir une alarme dans votre tête. Il faut savoir s'il a de la fièvre. Peu importe comment est-ce que vous l'avez noté, fièvre, hyperthermie, température, thermomètre, mais il faut savoir si votre patient il est fébrile. Tout purpura, ça nécessite la recherche d'une fièvre et d'une thrombopénie. La thrombopénie, c'est vous qui allez la rechercher, mais il faut d'abord savoir si le patient il a de la fièvre, parce que tout purpura fébrile, ça nécessite une hospitalisation en urgence et un isolement avec précaution gouttelette.
Pourquoi ce que vous redoutez, c'est le purpura fulminans, qui est une urgence thérapeutique. Le tableau classique, c'est de la fièvre plus un purpura extensif. Je vous entends, mais je ne sais pas qui parle. Je continue. Donc, le tableau de fièvre et de purpura extensif, avec des signes qui peuvent être peu spécifiques, comme une altération de l'état général et des myalgies. Un instant, je crois que j'ai... Ok, c'est bon. J'avais une autre page qui était ouverte. Excusez-moi, je reviens à vous. Les germes qui sont en cause, c'est surtout le méningocoque, et donc qui est responsable de septicémies qui peuvent aller jusqu'au choc septique et à la défaillance multiviscérale. Si jamais vous voyez un patient en consultation dans votre cabinet de médecine générale qui se présente avec de la fièvre et un purpura extensif, avec des signes, avec des critères, donc soit qu'il y a un purpura nécrotique ou alors des échinoses qui font plus de 3 mm, c'est une indication à mettre des C3G en préhospitalier. Normalement, dans la trousse d'urgence du médecin, il doit toujours y avoir de l'adrénaline ou de l'anapène, mais il doit aussi y avoir des C3G en IM, justement pour cette indication-là. Quand on est en présence d'un choc septique, ce qui sauve le patient, c'est le délai avec le début de l'antibiothérapie. Et donc, du coup, traiter avant même de savoir ce qui se passe quand on a des signes qui nous évoquent ça. Notre patient, il est donc apyrétique, donc vous allez le voir dans un délai raisonnable. Et puis, quand vous entrez dans son box, donc vous observez ses lésions. Et donc, on vous demandait de qualifier le purpura. Et donc, là, c'était... ça ne va pas, oui. Un purpura échinotique, donc c'est une image qui est tirée de votre collège. Donc c'est le purpura qu'on va qualifier de pétéchial avec donc des petits pétéchis et des petits points rouges qui est présent sur l'ensemble du corps, pas forcément au niveau des membres inférieurs, mais partout. Et ça peut être accompagné de d'hématome, mais en tout cas, ce n'est pas un purpura qui va être infiltré ou déclive comme on peut en retrouver dans les purpuras vasculaires, qui vont plutôt être liés à des pathologies auto-immunes. Donc là, on vous a remis, pareil, tiré de votre collège, les différentes caractéristiques du purpura. Et donc, le purpura thrombopénique, il peut être en hémato, donc ou pétéchial comme sur la diapo précédente, ou alors, bien évidemment, il peut y avoir des ecchymoses, enfin des bleus, plus classiques. Vous suspectez donc que votre patient il soit thrombopénique devant ce purpura. Attendez, c'est juste que je vois les questions. Mais je vais laisser mon collègue répondre et je vais avancer. Donc, vous suspectez une thrombopénie. Quels sont les signes de gravité à rechercher à l'examen clinique? Ah oui, non, je pense que c'est effectivement une erreur de diapo parce que c'est bien pétéchial. Ouais, pardon, c'est nous qui sommes trompés. Mais bon, c'est bien corrigé sur ENES, c'est ça l'important. Oui. Donc les signes de gravité, ce qu'il faut éliminer, c'est donc est-ce que votre patient il saigne. Donc on recherche les saignements extériorisés, on recherche les bulles hémorragiques intrabucales, on va rechercher un déficit neurologique focal parce que si votre patient il saigne de la tête, et ben vous n'allez pas le voir au niveau extériorisé. Donc il faut faire toujours un examen neurologique, rechercher un déficit et rechercher des signes d'hypertension intracrânienne. La recherche d'adénopathie, elle n'avait pas de lien avec la présence d'une thrombopénie. Donc, ce n'était pas à rechercher spécifiquement
pour cette question. Donc, votre patient, il a des pétéchies, il n'a pas de saignement extériorisé, il a toujours des céphalées, mais il a un examen neurologique normal en dehors de ses céphalées. Donc, quel bilan vous allez demander en première intention? Là, ce qu'on veut, c'est donc déjà vérifier qu'on a bien une thrombopénie. Donc, pour ça, on va faire une NFS avec des plaquettes. Et puis, dans le contexte de la thrombopénie, il y a deux urgences que vous voulez éliminer assez rapidement sur le bilan sanguin. Pour cela, il faut faire un bilan d'hémostase et un frottis sanguin. Les deux urgences, ça va être surtout la CIVD, et donc pour ça, il faut faire un bilan d'hémostase, et puis la MAT, et pour ça, vous allez faire un frottis à la recherche de schizocytes. Et puis, le frottis pourra vous donner d'autres indications si le patient il a autre chose qui explique sa thrombopénie. Donc du coup là voilà, on vous a remis les examens à faire. Donc voilà, je ne reviens pas dessus. On vous a mis donc les examens à faire pour un purpura thrombopénique ou vasculaire. Et puis aussi dans un contexte fébrile, on a d'autres examens à faire, notamment bactériologiques, pour trouver la cause de ce purpura fulminans. Donc, vous avez demandé votre NFS et votre bilan d'hémostase. Donc là, on a des globules blancs à 0,9, donc on a une leucopénie associée à une anémie à 8 grammes et à des plaquettes, il y a une thrombopénie à 20 gigas par litre. Le frottis, il permet aussi d'éliminer qu'il n'y a pas d'amas plaquettaire. Et puis, donc sur votre bilan d'hémostase, vous avez un TPA baissé à 39%, un TCA allongé à 1,2, un fibrinogène abaissé à 0,9, et vous avez donc des produits de dégradation de la fibrine ou des monomères de fibrine qui sont au plafond, ainsi que les dédimères qui sont élevés. Quelle anomalie est responsable de la thrombopénie? La réponse était donc la CIVD, si ça marche. Donc là, on a à peu près tous les signes de la CIVD avec la thrombopénie, l'abaissement du TP, l'allongement du TCA et surtout les produits de dégradation de la fibrine et des dédimères qui sont au plafond. La MAT, on n'a pas d'argument, on aurait une anémie hémolytique associée avec des schizocytes, on n'en a pas retrouvé. Le PTI, c'est souvent un diagnostic d'élimination, mais là, dans ce contexte, on a le PTI ne peut pas donner de CIVD. Donc là, on a une cause de la thrombopénie qui était évidente. Le HELLP syndrome et la cirrhose avec hypertension portale, vous auriez un contexte particulier avec des perturbations de votre bilan hépatique. Le HELLP syndrome, vous auriez une femme enceinte. Là, le contexte et le bilan hépatique n'étaient pas en faveur. Donc là, on vous a remis l'algorithme pour la CIVD. Il faut systématiquement regarder le taux de plaquettes, le TCA, le TP, le fibrinogène, et puis on calcule un score qui nous permet de savoir si notre CIVD, elle est compensée ou elle est décompensée. Alors, on va revenir sur la CIVD un petit peu plus tard, mais on avance juste dans le DP. Donc, vous avez un appel du cytologiste qui vous appelle parce qu'il retrouve des cellules d'aspect immature avec des corps d'avoir en fagot
après avoir relu le frottis sanguin. Et donc, on vous demande, dans ce contexte, quelle est l'étiologie que vous suspectez être responsable de la CIVD. Donc là, pareil, alarme dans votre tête, cœur d'Auer en fagot égale lame 3. Et la lame 3, c'est une leucémie aiguë qui se révèle très souvent dans un contexte de pancytopénie avec CIVD. Toute pancytopénie avec une CIVD associée, vous devez rechercher la lame 3. Les autres étaient pas exacts parce qu'il n'y a que la leucémie, il y a que la leucémie aiguë promyélocytaire, pardon, qui donne des cœurs d'Auer en fagot. C'est vraiment caractéristique. Une question de cours sur la lame 3. Donc, elle est caractérisée par une anomalie spécifique, la translocation 15-17. Cette translocation, elle induit à un blocage de la différenciation au stade promyélocytaire et pas myélocytaire. Le tableau typique, c'est souvent une pancytopénie associée à une CIVD. Les lames 3 hyperleucocytaires, c'est plutôt rare. Et d'ailleurs, pour votre information, les lames 3, on les considère hyperleucocytaires à partir de 10 gigas par litre. Donc, c'est vraiment rare qu'on ait beaucoup de globules blancs avec une lame 3. Le pronostic, il est plutôt bon, passé la CIVD initiale, effectivement. Et le traitement classique, ce n'est pas de la chimiothérapie, c'est de la thérapie ciblée, c'est l'ATRA en agent différenciant. Donc voilà, les réponses, c'était A et D. Et ensuite, vous aviez demandé donc un scanner cérébral parce que votre patient, il avait quand même des céphalées inexpliquées. Et rapidement, le compte-rendu, il vous dit que votre patient, il a un hématome sous-cortical. Donc, on vous demande quels sont les traitements que vous allez mettre en place immédiatement. Et donc, la première chose quand on a une CIVD, le traitement, c'est le traitement étiologique. Que ce soit une CIVD dans un contexte de sepsis, dans un contexte de leucémie aiguë, dans un contexte de lame 3, quel que soit le contexte, la première chose, c'est le traitement étiologique. Donc ici, on administre de l'acide tout transrétinoïque. L'ATRA dans la lame 3, elle est à débuter le plus rapidement possible. Si pour une raison X ou Y, vous n'avez pas le temps de faire du myélogramme, mais que vous avez la pancytopénie, la CIVD et les cœurs d'Auer en fagot, vous donnez de l'ATRA. Au pire, ce n'est pas une lame 3 et ça n'aura pas d'incidence sur votre patient. Au mieux, c'est une lame 3 et plus vite vous aurez démarré l'ATRA, plus vite vous allez passer la phase critique et sauver votre patient. Et on va aussi mettre en place un traitement symptomatique. Donc là, votre patient, il saigne et donc du coup, il faut mettre tout ce qui est en place au niveau symptomatique. Donc, il est thrombopénique, on transfuse des plaquettes. Il a un TP qui est abaissé, donc on va transfuser du plasma frais congelé. Et dans certaines situations, on pouvait aussi, mais ce n'était pas dans les propositions, transfuser du fibrinogène, notamment quand le fibrinogène il est inférieur à 1. La chimiothérapie d'induction, ce n'est pas un traitement qu'on met en place dans la lame 3, sauf contexte particulier, et la corticothérapie non plus. Donc là, oui, je vois une question sur la CIVD, donc je vais y revenir. La CIVD, donc... ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la CIVD, ça veut dire coagulation intravasculaire disséminée. Ça veut dire que votre patient, il va coaguler, mais il va surtout, il va aussi saigner. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un facteur extérieur, prenons exemple les leucémies aiguës qui vont être hyperleucocytaires, vous allez avoir donc énormément de cellules qui vont circuler dans l'endothélium. Et en fait, ces cellules, en se mettant en contact de l'endothélium, elles vont mettre à nu le facteur tissulaire que l'on retrouve dans l'endothélium. Et le facteur tissulaire, c'est le premier acteur pour activer
la coagulation et notamment la voie intrinsèque en se liant avec le facteur 7. Et donc, dès que vous allez mettre un nu... voie extrinsèque, ce que tu as forché. Juste pour expliquer un tout petit peu, parce que pour être plus précis, en gros, le facteur tissulaire, il est dans le sous-endothélium. Il est sous l'endothélium. Et il va être, quand il y a une plaie, ça rentre à l'intérieur. Et c'est ça qui active la voie extrinsèque, d'où le nom voie extrinsèque. Voilà, après, je te laisse continuer. Dès que la voie extrinsèque elle est activée, donc vous avez toute votre coagulation qui va s'activer. Et il y a toujours une balance quand on active la coagulation. Le corps, il met aussi en place tout un système pour... éviter une coagulation qui va être trop importante. Donc, vous allez aussi avoir la fibrine qui va être produite pour stopper cette coagulation. Ce qui se passe, c'est que ce système-là, il va être dépassé parce que vous allez avoir une coagulation qui va être trop importante d'un côté, et donc tout le facteur tissulaire autre qui va être exposé à côté, il n'y a pas de coagulation qui va pouvoir se mettre en place, et donc en fait toute plaie de l'endothélium qui va mettre à nu le facteur tissulaire ne sera pas suivie d'une coagulation, parce que tous vos facteurs de coagulation et tous vos facteurs anticoagulants vont être consommés. Et donc voilà, c'est un dérèglement du système avec une hypercoagulation d'un côté qui va consommer tous vos facteurs, qui va activer aussi tous vos facteurs anticoagulants dans le même temps. Et de l'autre côté, toute plaie de l'endothélium ne pourra pas être suivie d'une coagulation parce que tout aura été consommé de l'autre côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc c'est pour ça que la première des choses à faire quand on a une CIVD, c'est le traitement étiologique. Parce que même si vous apportez des facteurs de coagulation ou des plaquettes ou du fibrinogène, derrière, si vous n'enlevez pas la cause de la CIVD, et ben vous allez consommer ce que vous êtes en train de donner. Donc, il n'y a pas de risque en tant que tel d'entretenir la CIVD si derrière, on traite la cause. Mais par contre, votre patient haïtienne, il faut quand même essayer de faire tampon et d'apporter des plaquettes et d'apporter du facteur de coagulation. Voilà. Je laisse mon collègue s'il a d'autres précisions. Ouais. À apporter. Non, c'était très bien l'explication de la CIVD. La plupart des facteurs, si tu les apportes, les plaquettes, les PFC, ça augmente pas le risque thrombotique. Par contre, ce qui a été décrit, c'est en cas d'injection de fibrinogène, c'est prothrombogène. Donc ça, c'est plutôt à éviter. Des fois, il y a des gens qui me demandent sur le débat pourquoi on garde pas le seuil de 20 000 plaquettes pour les transfusions de plaquettes. Et ben, faut se rappeler que normalement, quand vous avez fait des transfusion de plaquettes à 20 000, c'est qu'il y a uniquement un problème au niveau des plaquettes et que l'hémostase secondaire est normal. Si votre hémostase secondaire est normal, en plus des perturbations des plaquettes, il faut monter le seuil de plaquettes. C'est la même chose quand vous mettez un traitement anticoagulant. Quand vous mettez de l'héparine, quand vous mettez des AVK, le seuil de transfusion de plaquettes passe de 20 000 à 50 000. Ça, j'aurais rajouté ça. Et après, sur est-ce que la MAT peut causer une CVD, en fait, la CVD peut parfois provoquer quelques schizocytes. Donc ça peut, on peut confondre, mais rappelez-vous que la MAT, il n'y a pas de trouble de l'hémostase secondaire, il y a uniquement une thrombopénie. Après, il y en a qui posent la question de est-ce qu'il faut faire un bilan de coagulation tout de suite devant un purpura thrombopénique ? Alors ça, les annales sont claires. Je pense que tu parles du sujet de leucémie qui était tombée avec une CIVD. Moi, je pense que sur un dossier maintenant EDN en 8 questions, il ne ferait pas ces étapes-là de séparer. Donc, il faut que vous évaluez l'hémostase primaire et secondaire. C'est ce qu'on nous redit en cours nationaux. On a encore eu un cours nationaux d'hémato il y a quelques mois où ils ont reconfirmé ça. Il faut toujours évaluer hémostase primaire et secondaire en même temps quand vous avez une manifestation hémorragique.
Et puis, quitte à piquer le patient une fois. Ouais, c'est pas. Voilà. Et c'est. Enfin, voilà, le coup, vous tomberez sur la CVD, vous serez bien content d'avoir tout le bilan. Et au passage, ça c'est aussi un oubli qui est fait fréquemment. Il faut pas faire uniquement TP-TCA, mais aussi doser le fibrinogène. Parce que parfois, l'anomalie, elle va apparaître la CVD. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est la consommation de l'hémostase. Et parfois, vous pouvez avoir un TP, un TCA qui est légèrement perturbé et avoir un fibrinogène dans les chaussettes. Et ça doit vous inquiéter. Parce que le risque hémorragique, il est important dans les contextes d'hypofibrinogénémie. Et après, si on vous pose la question sur l'anticoagulation dans la CVD, c'est impossible. Pour l'avoir déjà essayé, le patient commence à saigner par tous les orifices. Dès que vous essayez d'anticoaguler au cours d'une CVD active. Donc il faut serrer les fesses en espérant que le patient ne décède pas de thrombose et que vous puissiez l'anticoaguler une fois que la CVD soit réglée. Est-ce que tu te sentirais de parler de la physiopathe de la mat? Parce que ça a été demandé et on a un petit peu de temps. Sinon je peux le faire, hein. C'est si comme tu veux. Si je suis plus à l'aise, je préférerais, ouais. Il n'y a pas de problème. Donc la MAT, microangiopathie thrombotique, c'est l'association d'une anémie hémolytique mécanique et d'une thrombopénie. Le primum movens, ce qui est à la base de l'immense majorité des cas de MAT, c'est que ce sont les plaquettes qui sont malades. Soit liées à des interactions avec le facteur Willebrand dans le PTT, soit des activations du complément ou à la libération de toxines dans le SHU. Et tout ça, ça va faire que les plaquettes vont se transformer en petits thrombus et venir se déposer sur les vaisseaux sanguins. Les plaquettes, les globules rouges arrivant très vite dans un sorte de tourbillon, ils vont venir s'éclater sur les plaquettes. Et c'est ça qui va donner les schizocytes. Les schizocytes, c'est des débris de globules rouges provoqués par leur tamponnage des plaquettes. Et ce qui est absolument contre-indiqué, maintenant vous allez bien le comprendre, c'est de transfuser en plaquettes. Si vous transfusez en plaquettes dans ce contexte-là, le patient va avoir une aggravation de ses symptômes. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous apportiez de nouveaux thrombies. Et moi, j'ai eu un patient, par exemple, qui a eu... Il a été transfusé aux urgences parce qu'il pensait que c'était une thrombopénie centrale, et il a fait l'AVC dans les heures qui ont suivi. Donc c'est vraiment, il y a une chose à pas faire, c'est tant que vous n'avez pas éliminé la MAT, ne vous amusez pas à transfuser le patient, bien sûr, à part s'il y a des hémorragies qui mettent en jeu le pronostic vital. Mais faut vraiment s'assurer, quand vous avez une thrombopénie, vous n'avez pas trop d'étiologie évidente, que vous n'êtes pas devant une MAT, d'où l'importance de l'évoquer rapidement et de l'éliminer rapidement. Pour éviter des conséquences graves. Alors pour la petite histoire, ce patient s'en est finalement très bien sorti parce qu'on a fait le traitement de son PTT très rapidement. La seule MAT où il n'y a pas de problème de plaquettes, c'est quand c'est des dysfonctions de valve mécanique, où là c'est la valve mécanique qui va éclater les globules rouges et provoquer les schizocytes. Voilà pour la MAT. Alors on n'a pas trop le temps là de parler de PTI, mais si vous voulez qu'on parle un peu de physiopathe de PTI, on peut en reparler à tout à la fin si on a encore du temps. Et juste pour finir, parce que je vois qu'il y a encore là-dessus, dans la MAT, en fait, c'est vraiment un problème de plaquettes uniquement, il n'y a pas de rôle de l'hémostase secondaire. Et donc, dans la MAT, ce n'est pas un PTI. Attention, c'est deux choses différentes. Le PTI, c'est des anticorps contre les plaquettes qui sont en cause. Est-ce qu'on a plus. Donc la CVD, vous avez les deux. Vous avez les saignements et les thromboses. Et les thromboses avec les TT, je ne sais pas de quoi tu parles, Agathe. On en reparlera dans le chat. Je crois qu'elle dit avec les traitements. Avec les traitements. En général, on a plus tendance en thrombose avec le... Alors si tu parles de... Alors là, on va parler de la TIH, la thrombopénie induite à l'héparine. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des anticorps qui sont produits contre le PFA4, qui est un antigène qui est présent sur l'antithrombine 3. Ce qui fait qu'en fait, ça va activer la coagulation, et donc dans les thrombopénies induites à l'héparine, c'est les thromboses qui sont les plus fréquentes. Mais par exemple, dans la deuxième cause de thrombopénie médicamenteuse, qui est l'exposition au quinine, qu'on utilise dans le PALU, mais qui sert aussi à traiter certaines arthralgies, c'est surtout des hémorragies qui vont être en cause. Donc ça dépend un peu du médicament. Et bien sûr, si vous avez des questions qu'on n'a pas pu répondre parce qu'on a passé le dossier, on pourra y répondre par la suite. À la fin de la conférence.
Donc, du coup, la prise en charge de la CUD, le message qu'il y a à retenir, c'est le traitement de la CUD, c'est le traitement étiologique avant tout. Enfin, il faut comprendre pourquoi est-ce que votre patient il a une CVD et traiter la cause, et si besoin, ensuite, en fonction de comment est-ce qu'il va, le traitement symptomatique. Mais c'est surtout étiologique. Donc, on va pouvoir passer au DP3, mais s'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à la poser sur le chat, on s'arrêtera au moment opportun. Donc, le troisième dossier, vous avez un homme de 65 ans qui vient à votre consultation au mois de décembre pour un bilan de bronchite à répétition. À l'interrogatoire, vous notez que depuis un an, il a présenté deux pneumopathies, une angine, et là, il vient vous voir aujourd'hui avec une bronchite qui traîne depuis 3 semaines et qui ne s'améliore pas malgré un traitement symptomatique prescrit par un précédent médecin traitant qu'il avait consulté. Il est apérétique, normocade et eupnéique. À l'examen clinique, vous retrouvez une toux avec un encombrement bronchique. L'auscultation est claire, il n'y a pas de signe de détresse respiratoire. L'auscultation cardiaque, elle est sans particularité. Il n'a pas de rhinite, mais vous avez des adénopathies infrasentimétriques au niveau susclaviculaire, cervical et axillaire, bilatéral. Vous n'avez pas d'hépatomégalie, pas de splénomégalie et rien de particulier au niveau abdominal. Vous lui avez prescrit un bilan biologique et vous le revoyez avec les résultats de cette prise de sang. Donc, ce que vous notez, c'est qu'on a une hyperleucocytose à 11,8 gigas par litre, prédominant donc sur les lymphocytes avec une hyperlymphocytose à 7,2 gigas par litre. Qu'est-ce que vous notez d'autre que sur le frottis, vous avez des rares ombres de Gumprecht. Votre bilan d'hémostase, il est normal. Votre ionogramme, il est normal. La créate aussi. Pas d'anomalie du bilan hépatique. Pas de syndrome inflammatoire, en tout cas majeur, une CRP à 11. Et puis, vous avez fait des sérologies, VIH et EBV qui reviennent négatives. Donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques concernant cette polyadénopathie? Là, il n'y avait qu'une réponse qui pouvait aller, c'était la leucémie lymphoïde chronique. Donc, devant une adénopathie, la première question à se poser, c'est est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'on a une polyadénopathie? Parce que vous allez partir sur des étiologies qui sont différentes. Les adénopathies isolées, c'est souvent des étiologies infectieuses ou néoplasiques avec des cancers, ORL ou pulmonaires, ou des lymphomes de haut grade en général. Alors que les polyadénopathies, donc vous allez avoir la LLC qui donne des adénopathies multiples, souvent infrasentimétriques, bilatérales et symétriques. La mononucléose infectieuse, donc, qui peut être liée à des virus comme le BV, le CMV ou le VIH. Ici, le VIH, ça ne pouvait pas être bon parce que les sérologies étaient négatives. Et les autres causes, je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Oui. Donc la tuberculose, ça donne des adénopathies isolées. Le VIH, ça donne des polyadénopathies, mais ici les sérologies étaient négatives. Et pareil pour le syndrome mononucléosique. Et la maladie des griffes du chat, ça donne surtout des adénopathies isolées. Donc, vous suspectez votre LLC. Quel examen vous allez demander pour confirmer le diagnostic? Ça, pareil, c'est du cours. Le diagnostic de LLC, il se fait avec un immunophénotypage lymphocytaire dans le sang. Vos cellules, elles circulent dans le sang, donc on essaye de faire l'examen le moins invasif pour, poser notre diagnostic. Le mielogramme, il ne vous apportera pas d'informations supplémentaires. Vous allez retrouver une infiltration par des lymphocytes, pardon, de petite taille. Mais quand vous allez faire l'immunophénotypage, vous allez utiliser la même technique que si vous l'aviez fait dans le sang. Donc, on essaye d'être le moins invasif possible.
Et la cytopponction, donc c'est pas un examen diagnostique, c'est un examen qui vous donnera une orientation, mais la LLC, pareil, les cellules, elles sont dans le sang, donc il n'y a pas d'indication à faire de geste au niveau des ganglions, donc ni cytopponction, ni biopsie exérèse. De toute façon, ce que vous retrouveriez, ce serait donc un lymphome lymphocytique, qui est le versant ganglionnaire de la LLC. Mais voilà, quand on veut faire un diagnostic, il faut toujours faire l'examen le moins invasif possible. Donc le diagnostic de LLC, le frottis sanguin, il va vous donner une orientation. Ça ne vous fera pas le diagnostic, mais ça va vous donner une orientation plutôt évidente, avec donc des petits lymphocytes qui vont être monomorphes, et puis donc des ondes de Gumprecht qui correspondent en fait aux lymphocytes qui ont lysé au moment de l'étalement de la lame. Mais donc le diagnostic, ça va être l'immunophénotypage sanguin, avec qui va donc être réalisé par cytométrie en flux et qui va vous permettre, un, d'affirmer la nature B des lymphocytes, parce que la LLC, c'est une pathologie du lymphocyte B, et de rechercher des marqueurs pour calculer le score de Matutes. Donc, concernant l'immunophénotypage sanguin, le score de Matutes permet d'évaluer toute l'hyperlymphocytose, c'est faux. Ça permet de caractériser la LLC, mais en fait, toute hyperlymphocytose, c'est l'immunophénotypage qui va vous permettre de dire est-ce que c'est B ou est-ce que c'est T. Le score de Matutes, il va s'intéresser qu'aux lymphocytes B. La nature du lymphocyte est en faveur d'une origine B en cas d'expression du CD19 ou du CD20, oui. L'antigène CD3, c'est un antigène qu'on retrouve habituellement sur les lymphocytes T. Et le score de Matutes, donc à 5, il suffit à confirmer le diagnostic de LLC. Et par contre, un score de Matutes à 1, ça ne peut pas correspondre à un diagnostic de LLC. Donc les réponses, c'était les réponses B et D. Et donc, on vous a remis le score de Matutes. Donc, une fois qu'on a affirmé la nature B des lymphocytes, on peut calculer ce score. Donc, en regardant si vos lymphocytes B, ils expriment des antigènes à leur surface ou des immunoglobulines. Et donc, un score de Matutes à 4 ou à 5 confirme le diagnostic de LLC. Un score de Matutes à 3 peut correspondre à un diagnostic de LLC, mais il faut éliminer d'autres syndromes lymphoprolifératifs, comme le lymphome de la zone marginale ou le lymphome du manteau. Et par contre, un score de Matutes à 1 ou 2, ce n'est pas un diagnostic de LLC. Donc votre diagnostic de LLC, il est confirmé avec votre score de Matutes. On vous demandait quels autres examens vous allez faire en systématique. Donc là, les réponses, c'était l'électrophorèse des protéines sériques et le test de Coombs. Donc il n'y a pas d'indication à faire le myélogramme. Comme je vous ai dit, il vous apporterait rien de plus que votre immunophénotypage. Vous allez juste retrouver en fait une infiltration par des lymphocytes. Le myélogramme, il est indiqué quand il y a des cytopénies qui sont pas expliquées pour en comprendre la cause. La biopsie ostéomédulaire, pareil, elle a pas de raison d'être. Et puis, il n'y a pas d'indication à faire quelconque bilan d'imagerie au diagnostic de LLC. Les ondes de Gumprecht, oui, c'est pathognomique de la LLC. C'est vraiment en fait, enfin, c'est vraiment vos lymphocytes de LLC qui vont éclater au moment où vous allez étaler votre lame pour faire le frottis. Je continue. Donc, deux examens systématiques offerts à diagnostic de LLC. Ce qu'il faut retenir, c'est que la LLC, c'est une pathologie du lymphocyte B
et donc les lymphocytes B, leur rôle, c'est de jouer sur l'immunité humorale à travers les immunoglobulines. Donc si vous avez une pathologie de votre lymphocyte B, vous risquez d'avoir une pathologie, enfin une répercussion au niveau de votre immunité humorale, d'où le fait de retrouver une hypogammaglobulinémie. Et que vous allez retrouver en faisant votre électrophorèse des protéines sériques. Et vous pouvez aussi avoir une perturbation de votre synthèse d'immunoglobuline, et donc il y a un fort terrain de auto-immun avec la fabrication d'anticorps auto-immun, et donc tout diagnostic de LLC doit rechercher une anémie hémolytique auto-immune. Vous pouvez avoir des signes d'un test de Coombs qui va être positif sans avoir les signes d'hémolyse au niveau de votre prise de sang, de votre bilan de biochimie. Et oui, pardon, les ondes de Gompresch, ce n'est pas pathognomique, c'est fortement évocateur. Il y a d'autres hémopathies qui peuvent en donner, mais globalement, il faut retenir quand même que les ondes de Gompresch, c'est fortement, très fortement évocateur du LLC. Donc, votre patient, vous lui avez diagnostiqué une hypogamma sur son électrophorèse des protéines sériques, et donc on vous posait des questions sur le risque infectieux chez ce patient. Donc, le risque infectieux chez les patients atteints de LLC, c'est la première cause de décès. La LLC, c'est une pathologie chronique qui va évoluer lentement pour la majorité de vos patients. Par contre, une fois que l'hypogamma va être là, il a un risque de s'infecter, et donc c'est la première cause de décès, c'est pas la progression de la maladie. L'hypogamma, elle procure une susceptibilité aux germes encapsulés. Voilà, ça c'est le propre de l'hypogamma. La LLC, elle est pas responsable en tant que tel, on va dire, à votre niveau d'un déficit immunitaire T. C'est les traitements de la LLC que vous allez mettre en place qui vont être responsables d'un déficit immunitaire T. La vaccination antipneumocoxique, elle est recommandée dès le diagnostic. Que vous ayez une hypogamma ou pas, comme vous avez un risque de développer une hypogamma au cours de votre LLC, vous avez un risque de faire des infections aux germes encapsulés. Dans les germes encapsulés, vous avez donc le pneumocoque, le méningocoque et la Haemophilus influenzae. Et donc, vous vaccinez vos patients en prévention. La supplémentation par les immunoglobulines, elle doit pas être débutée, il y a d'autres, thérapeutiques à mettre en place avant. Donc, les réponses, c'était B et D. Et donc, on vous a remis le déficit immunitaire dans la LLC. Donc, le déficit immunitaire B, hypogamma égale infection à germes encapsulés, égale vaccination et prophylaxie par oraciline, on va dire. La supplémentation par immunoglobuline, c'est une possibilité, mais c'est en cas d'échec d'infection répétée malgré la prophylaxie et malgré la vaccination. Et donc le déficit immunitaire T, il va plutôt être lié au traitement. Ça va donner donc une lymphopénie T, surtout sur les lymphocytes TCD4, donc un peu comme le VIH. Vous allez avoir surtout des infections virales avec le zona et l'herpès, et des infections parasitaires comme la pneumocystose. Vous allez mettre des prophylaxies en place justement contre ces germes-là, donc ça va être du valacyclovir pour les infections HSV et le Bactrim pour les infections à pneumocytose. Quel traitement vous allez proposer à ce patient pour donc le traitement de sa LLC?
La réponse, c'était que vous allez faire une surveillance simple, clinique et biologique. Pourquoi? Parce que du coup, votre patient, si on revient à ce qu'il avait, il a donc une LLC, il avait des adénopathies au niveau cervical et susclaviculaire, et au niveau axillaire aussi. Il avait rien au niveau inguinal, d'hépatomégalie, pas de splénomégalie, et il n'avait pas de cytopénie associée, il n'avait pas d'adénie, pas de thrombopénie. Donc votre patient, là, il est classé stade A, parce qu'il n'avait que deux aires ganglionnaires atteintes, et donc pour la LLC, la classification de Binet, c'est une classification clinique. Vous regardez si votre patient il a des aires ganglionnaires qui sont atteintes et si à sa prise de sang il a des cytopénies. Les stades A et B, on les surveille, et les stades B évolutifs, donc avec une hyperlymphocytose qui évolue rapidement, ou les stades C, eux, ils ont une indication à un traitement spécifique. Voilà pour ce dossier de LLC. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Juste pour revenir, en fait, on a fait une petite coquille aussi. Dans la correction, elle est, la réponse sur l'immunoglobuline, elle est bonne, dans le sens où on a mis, on l'a remodifié. Et ah oui, c'était, oui. Ouais. Tout à fait, on vous l'a compté bon. Je crois. Mais effectivement, comme notre patient, il faisait des infections à répétition, qu'il avait été traité. Oui, je crois qu'on l'avait compté bon. Normalement, il n'y a pas de lézard là-dessus. Ouais, on l'a mis bonne parce qu'on a modifié l'intitulé. En fait, l'intitulé, c'est une supplémentation par immunoglobuline est possible en cas d'infection à répétition. Tout à fait. Mais oui. Ce que tu as dit, sinon c'était bon. Oui. En gros, on le garde aux patients qui font des infections à répétition et surtout après échec de l'antibioprophylaxie parce qu'il y a une tension d'approvisionnement des immunoglobulines. Ce qui fait qu'on ne peut pas le proposer à tous les patients. Sinon, vous ne les aurez plus quand vous voulez traiter un Kawasaki, un Guillain-Barré, des indications qui sont parfois beaucoup plus graves et beaucoup plus urgentes que ce contexte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Et l'autre question là qui vient d'arriver, est-ce que tu ferais un myélogramme si le patient était en stade C? Non, sauf si alors. c'est une bonne question. En fait, ça dépend du contexte, mais t'es pas obligé de faire un myélogramme. C'est uniquement quand tu as un doute sur l'origine des cytopénies. Donc c'est pas. C'est, voilà, c'est. Il n'y a pas de bonne réponse comme ça à vous dire, comme ça, ça dépend du contexte. Mais la plupart des patients n'en ont pas besoin. Parce qu'ils vont faire des cytopénies qui sont en rapport avec l'évolution de la LLC. Par infiltration médulaire. Et est-ce qu'une LLC nécessite une prise en charge par un hématologue? Je ne suis pas convaincu que toutes les LLC stade A ont besoin de voir un hématologue, mais ça, c'est beaucoup trop spécialisé pour vous. C'est quand même bien qu'ils soient vus une fois pour leur expliquer, parce que ça arrive parfois que des patients se retrouvent avec le terme de leucémie, et qui n'est pas bien compris le concept de la leucémie lymphoïde chronique de stade A, même espérance de vie que la population générale, et ça peut arriver dans un de mes patients qui est parti faire le tour du monde. Son médecin traitant lui a dit qu'il avait une leucémie. Donc ça vaut peut-être le coup quand même qu'il soit vu une fois pour bien expliquer. Et il y a une question qui est tombée il y a 2 ans sur est-ce qu'il faut proposer l'ALD à ses patients? Et ça a été coché vrai. C'est un petit peu too much, parce que la plupart des patients qui ont une LLC stade A, ils vont pas avoir besoin de traitement. Ils ont juste besoin d'une NFS biannuelle. Donc c'est un peu cher payé de leur proposer de l'ALD, mais bon, ça a été coché. Je pense un peu par simplification. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, comment on soupçonne un Richter? C'est une bonne question aussi.
Est-ce que tu veux y répondre? Le Richter, donc ça va être la transformation de votre LLC en lymphome de haut grade. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est les signes que vous pouvez avoir dans le lymphome de haut grade. Souvent, les patients qui ont une LLC, ils peuvent avoir une asthénie mineure ou une altération de l'état général, mais parce qu'ils s'infectent de manière régulière. Par contre, si vous avez une grosse altération de l'état général, un amaigrissement, et puis bah, les autres signes B, la fièvre, la sueur nocturne, là, ça doit vous évoquer un Richter. Et puis surtout, la LLC, ça va donner donc une polyadénopathie, mais comme j'ai dit, avec des ganglions qui vont être de petite taille, qui vont être symétriques, qui vont être bilatéraux. Si vous avez tout d'un coup un patient qui a, en plus de toutes ces adénopathies, une grosse adénopathie qui va sortir de 3 cm par rapport aux autres, là, pareil, ça doit vous faire... avec des signes généraux associés, ça doit vous faire évoquer le Richter. Oui, tout à fait. Et ben, je pense qu'on est bon. Oui. Pour l'instant, ça va. En termes de temps, on est très bien. Et ben, on va pouvoir passer au DP4. Donc, un confrère médecin généraliste vous adresse un patient de 28 ans qu'il a consulté récemment suite à l'autopalpation d'une adénopathie cervicale gauche qui augmente rapidement de volume. Il est en bon état général, il n'a pas perdu de poids, mais depuis plusieurs semaines, il a quand même des sueurs nocturnes, il a de la fièvre autour de 38,5 et il a un prurite assez invalidant. Il est ouvrier viticole, il n'a pas d'antécédents majeurs, hormis une entorse de la cheville et un panari. Il n'a pas d'allergie médicamenteuse, il fume un demi-paquet par jour et il boit une bière de temps en temps. Donc là, je vous ai mis en gras les mots qui doivent vous alerter dans le discours de votre patient, donc l'adénopathie, la perte de poids, la sueur nocturne, la fièvre. Ouvrier viticole parce que on ne sait jamais l'exposition professionnelle que peuvent avoir les patients. Et donc, comment est-ce que vous allez compléter votre examen clinique? Donc, là, il fallait en fait, devant une adénopathie, la première des choses, c'est de savoir si elle est isolée ou pas. Et donc, il fallait examiner toutes les autres aires ganglionnaires pour savoir si on était dans le cadre d'une adénopathie isolée ou d'une polyadénopathie. L'hypertrophie gingivale, c'est plutôt un signe de leucémie aiguë, notamment les leucémies aiguës monocytaires, qui peuvent donner une hypertrophie au niveau des gencives. Par contre, l'hypertrophie amygdalienne, ça peut... tout à fait entrer dans un contexte l'hypertrophie amygdalienne, oui, il faut la rechercher. Vous pouvez tout à fait avoir une infiltration dans un cadre lymphomateux. Là, c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger. On a l'air de s'orienter vers une pathologie lymphomateuse avec les signes B, avec le prurite. Donc on va regarder toutes les autres aires ganglionnaires et voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. C'est que je vois que ouais, il y a un débat dans le chat, alors juste pour résumer les choses, l'hypertrophie amygdalienne. L'amygdale, c'est l'équivalent d'un ganglion, donc c'est la même chose que lymphome, LAL, vous pouvez le retrouver dans la LAM, mais déjà que le syndrome tumoral, c'est pas très fréquent dans la LAM, donc l'hypertrophie amygdalienne dans une LAM, c'est pas trop en faveur.
L'hypertrophie gingivale, comme tu le disais, c'est surtout en fait quand il y a une différenciation monocytaire des leucémies aiguës myéloïdes. Dans les autres leucémies, à part des très très rares cas, c'est pas associé. Vous n'avez pas, classiquement, vous n'avez pas d'hypertrophie gingivale dans l'ALL. J'espère que c'est plus clair. C'est toujours un peu compliqué ces critères d'orientation. Il faut vraiment voir comment est tournée la question, mais là, je vois pas de l'hypertrophie gingivale dans le contexte du patient. C'est très très peu probable que vous la trouviez. Et ça rappelle juste toute la difficulté qu'il y a à répondre aux questions d'orientation diagnostique et sur le degré de cas alambiqué que vous devez mettre dans vos propositions. Moi, ce que je réponds toujours aussi, c'est à l'objectif de votre EDN et l'objectif de l'ECNI qu'on a passé, nous, c'était que vous alliez vers un interrogatoire orienté. Au début de votre formation, quand vous êtes en troisième, en quatrième de médecine, vous faites des interrogatoires qui vont durer une heure et demie, vous avez le temps. L'objectif de la fin de votre externat et quand vous serez jeune interne, c'est d'aller rapidement sur ce qui est intéressant. Et donc, c'est la philosophie que je vous conseille d'utiliser quand vous répondez à ces questions. Donc, rechercher une hypertrophie gingivale dans le bilan d'une anénopathie, alors qu'on n'est pas dans un contexte où vous avez une énorme blastose sanguine, c'est quand même assez peu probable que ça soit lié. Là, on s'oriente a priori pas vers une LAM parce que vous avez plutôt un tableau d'adénopathie. Donc c'est pas le c'est pas la première étiologie qui doit vous venir. C'est ça. C'est possible d'avoir des adénopathies dans les LA, M, mais c'est pas, en fait, c'est pas ce tableau clinique qui doit vous faire évoquer la LAM. C'est sur la NFS, sur la suite. Mais là, pour l'instant, vous n'avez aucun argument qui vous oriente vers une LAM. Je vais passer à la question d'après. Votre examen clinique, vous retrouvez une adénopathie cervicale isolée de 8 fois 5 cm. Et donc, dans ce contexte, quelles vont être vos hypothèses diagnostiques? Donc là, on se retrouve dans le cadre d'une adénopathie isolée. Donc les adénopathies isolées, comme dit tout à l'heure, c'est les adénopathies infectieuses. Mais là, vous n'aviez pas de raison de le croire parce qu'il n'y avait pas de contexte qui entrait en compte dans le cadre de ce patient. Et la LLC, ça donne surtout des polyadénopathies, comme on a dit tout à l'heure. Vous suspectez un lymphome chez votre patient. C'est quand même l'étiologie la plus probable chez votre patient qui est jeune. Il n'a pas de raison a priori de faire un cancer pulmonaire avec un demi-paquet par jour à 30 ans. Donc vous suspectez un lymphome. Quel examen va vous permettre de poser votre diagnostic de certitude? Donc là, les réponses attendues, c'était qu'il faut faire une analyse histologique et donc il faut faire une biopsie. Biopsie, biopsie exérèse, exérèse ganglionnaire, en tout cas, il faut faire une biopsie. La ponction et la cytopunction, ça permet de faire une analyse cytologique qui est un examen d'orientation et qui est en aucun cas un examen qui vous donnera un diagnostic de certitude. Votre patient, il est adressé en ORL donc pour avoir sa biopsie chirurgicale à visée diagnostique. Comment est-ce que vous allez réaliser le prélèvement? Euh,
Pardon, votre ganglion, il doit être acheminé dans du frais et ensuite, il doit être fixé dans le formol, mais il doit d'abord être acheminé dans du frais. La position sur l'âme, elle est réalisée pour faire une analyse cytologique. On veut en fait décrocher quelques cellules au niveau de ce ganglion et donc pouvoir regarder les cellules au microscope. Donc ça, c'est l'analyse cytologique. L'analyse cytogénétique, elle se fait pas en inclusion, en paraffine. Pour faire une analyse cytogénétique, le but, c'est d'analyser les mitoses des cellules. Et donc, en fait, il faut mettre les cellules dans un milieu, dans une culture pour qu'elles puissent se diviser et qu'on puisse analyser les mitoses et donc les chromosomes. Et donc, ensuite, on essaye au maximum de faire des analyses moléculaires et le consentement du patient, si on veut faire des analyses postérieures derrière, et conserver son échantillon, il faut forcément son consentement. Alors que la biopsie a été réalisée sans complication au décours, le chirurgien vous signale qu'il a remarqué une circulation veineuse collatérale chez ce patient. En l'interrogeant à nouveau, il s'avère qu'il a oublié de vous dire qu'il était gêné la nuit pour respirer et qu'il avait besoin de deux ou trois oreillers pour réussir à s'endormir. Quelles complications vous redoutez chez ce patient? La réponse attendue, c'était un syndrome cave supérieure. Donc là, il y a deux signes qui devaient vous alerter. Il y avait la circulation veineuse collatérale et le fait qu'il soit gêné pour respirer la nuit, surtout en position allongée, donc l'orthopnée. Le syndrome cave supérieure, donc c'est une des urgences que l'on a dans la prise en charge du lymphome. Donc, c'est lié en fait à une compression extrinsèque de la veine cave supérieure ou des autres gros vaisseaux. C'est majoritairement des causes néoplasiques, plutôt les cancers solides que les lymphomes. Et donc, les signes qu'on retrouve, donc c'est. Ah bah, mince. Elle n'est pas passée. On retrouve donc une tumeur du sang jugulaire, un œdème en pèlerine. Donc l'œdème en pèlerine, c'est un œdème qui prédomine au niveau du cou et de la base enfin, du haut du torse, pardon, un peu comme les toches qu'on peut retrouver chez les pèlerins. On retrouve donc une Et cyanose tu peux, jugulaire. si tu recliques une fois, tu vas voir apparaître Ah l'image. oui, ah, je n'ai pas vu que c'était une animation. Des télangiectasies, un œdème cérébral et donc une circulation veineuse collatérale. C'est des signes qui sont majorés par le décubitus et donc c'est une urgence thérapeutique. Quelle anomalie vous identifiez sur cette radio de thorax réalisée en urgence? Alors du coup, là, ce qu'il fallait voir, c'est que ici, normalement, vous n'êtes pas censé avoir cette petite boule qui sort. Et donc, il fallait identifier une masse médiastinale qui était responsable d'ailleurs du syndrome cave supérieure. Le résultat anatomopathologique est en faveur d'un lymphome de Hodgkin. Donc, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'examen le plus adapté pour réaliser le bilan d'expansion de ce lymphome? Donc là, on attendait une réponse unique et l'examen le plus adapté, c'est le TEP scanner. Dans les lymphomes agressifs, donc ça va être le lymphome des diffus à grandes cellules, le lymphome de Hodgkin, ou même d'ailleurs certains lymphomes indolents. Les lymphomes, c'est des pathologies qui sont très avides en FDG et donc qui vont nous permettre de mieux stader les patients parce que ça va énormément fixer le FDG. Et surtout, si vous faites un scan TAP, vous n'allez pas pouvoir analyser
l'envahissement médulaire au niveau de votre patient, alors que la TEP, ça fixe aussi au niveau osseux, et donc ça permet d'éviter au patient d'avoir en plus une biopsie ostéomédulaire. La scintigraphie osseuse, ce n'est pas un examen qu'on fait en hématologie, l'IRM corps entier non plus, et la radiographie du thorax associée à l'échographie abdominale, ça ne va pas vous donner une vue d'ensemble de toutes vos atteintes ganglionnaires. Le but, en fait, derrière, c'est de faire la classification de Ann Arbor pour mieux stader vos patients, qui va vous permettre, d'avoir le pronostic au diagnostic et surtout de faire le suivi, d'évaluer la réponse thérapeutique. Donc là, on vous a remis la classification de Ann Arbor. Le stade 1, donc c'est une adénopathie d'un seul côté du diaphragme, ça peut être en haut ou en bas. Le stade 2, c'est deux adénopathies du même côté du diaphragme. Le stade 3, c'est des adénopathies de part et d'autre du diaphragme. Et le stade 4, ça va être une atteinte extra-ganglionnaire, donc ça va être soit une atteinte d'organes, le foie, un envahissement au niveau médulaire, donc osseux, et ça peut être aussi les atteintes au niveau des parois, donc un épanchement pleural, de l'ascite, un épanchement péricardique. Dans le lymphome, la rate est considérée comme un ganglion, donc si vous avez une atteinte de la rate, ça ne vous classe pas stade 4. Voilà pour ce dossier. On peut répondre aux questions s'il y en a. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Il y a quelques questions. Alors déjà, c'est pareil, je pense qu'on est vraiment désolé. Hein, on a fait des. La conférence a été avancée d'une semaine, donc les derniers niveaux de correction n'ont pas été pris en compte forcément dans le PowerPoint. Et on a compté bon le carcinome ORL dans les hypothèses diagnostiques de l'adénopathie. Parce que avec maintenant les cancers ORL liés à l'HPV, on peut avoir des sujets jeunes qui n'ont pas forcément eu des énormes expositions au tabac qui sont en cause. Ça c'était le premier point. Par contre, la adénite infectieuse, c'est vrai qu'on aurait pu la débattre. Il y en a quelques-uns qui l'ont débattu. En fait, ce qui est un peu étonnant dans le dossier, ça serait une adénite infectieuse. La seule hypothèse qu'on pourrait évoquer, c'est la tuberculose, je pense. Sur une masse aussi grosse, ça serait l'absence d'altération de l'état général, enfin l'absence de perte de poids de ce patient. Et également le prurite, j'aurais un peu de mal à la rattacher à la tuberculose. Voilà, si vous avez un patient qui a une altération de l'état général, une énorme adénopathie et de la fièvre, c'est vrai qu'on peut évoquer, c'est déjà tombé en 2014 à l'ECN, mais c'était un chauffeur de taxi bulgare. Qui avait perdu 15 kilos. Donc bon, j'avoue qu'on aurait peut-être, dû mettre préciser un peu plus cette question. Alors il y a une bonne question de Marie. Quand tu as des adénopathies bilatérales, est-ce que c'est comme dans le binet, tu dois compter une seule ou deux, tu dois compter une aire ganglionnaire ou tu dois compter deux aires ganglionnaires dans le Ann Arbor? Quand tu as. Imagine, tu as des adénopathies cervicales bilatérales. Oui. Est-ce que tu comptes une aire ou deux aires ganglionnaires? C'est un stade 1 ou un stade 2 de Ann Arbor? Ah, c'est un stade 2. Ouais, c'est un stade 2. Il n'y a pas de bilatéralité dans le Ann Arbor. Il voilà, faut faire attention, hein, y a des petites subtilités binet et Ann Arbor. Après, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. Et si on te demande, ça c'est aussi une question un peu piège. Si on te demandait si ton patient il avait une atteinte ganglionnaire et tu fais le TEP scanner et tu ne retrouves pas de fixation au niveau osseux ou au niveau médulaire, est-ce que tu ferais une biopsie ostéomédulaire? S'il n'y a pas de cytopénie chez ce patient, non. Il n'y a pas de cytopénie. Tout à fait. Et donc ça, voilà, faut faire attention. Dans le Hodgkin, ça a été acté dans le collège. Et dans le lymphome bénifié à grandes cellules, ça n'a pas été très bien, finalisé. Et il reste une phrase un peu bizarre en disant,
oui, bientôt on pourra se passer de la BOM dans l'infobase différent grande cellule, mais on n'a pas assez de données. Alors je peux vous le dire, maintenant ça fait 4-5 ans qu'on a suffisamment de données, et que plus personne, même dans les essais cliniques, ne fait de biopsie ostéomédulaire dans les contextes de lymphome B différent de cellule. Et donc il ne faut plus le cocher dans ces contextes-là. Hodgkin et lymphome B différent de cellule. Les autres, il n'y a pas suffisamment de données là par contre. Pour vous dire, il y a une étude sur le folliculaire qui est sortie il y a 2 mois. Peut-être qu'un jour on ne fera plus du tout de biopsie ostéomédulaire. Et comme tu l'as très bien dit, hein, c'est lié au fait que. On peut voir en imagerie fonctionnelle avec le TEP, la localisation osseuse, ce qu'on ne pouvait pas voir à l'époque du scanner. C'est pour ça qu'avant, on en faisait tout le temps. Et le syndrome cave supérieur, juste pour aussi préciser que le traitement de syndrome cave supérieur, c'est pas à connaître, c'est beaucoup trop spécialisé et pas très consensuel. Est-ce que tu fais un TEP systématiquement que dans les lymphomes agressifs ou dans tous les cas? Alors j'imagine que dans tous les cas, ça doit être les autres lymphomes, les lymphomes indolents. C'est une bonne question. En fait, le collège n'est pas très clair là-dessus. Oui. Donc. Tous les lymphomes agressifs, la réponse est oui, ça y a aucun doute. En pratique, on le fait aussi dans les folliculaires, les zones marginales, enfin dans la plupart des indolents, même si dans le collège, c'est pas hyper clair. Et donc, je pense pas qu'on puisse vraiment venir vous chercher là-dessus. Déjà, je pense pas qu'un folliculaire puisse tomber vraiment à l'EDN, ça pourrait tomber que en question isolée. Et la seule chose, par contre, c'est sûr, c'est ne faites pas d'examen d'imagerie dans le bilan de LLC. C'est vrai qu'on n'a pas trop reparlé dessus. J'ai écouté à ce moment-là un peu moins bien. Je ne sais pas si tu as précisé le fait que Binet, c'était avant la période du scanner. Moi, j'ai juste dit que Binet, c'était une classification clinique. Mais, ouais. Voilà, juste rappeler Binet, donc, chef de service de la Pitié Salpêtrière des années 80. Donc, il publie son score, le score de Binet. À l'époque, on pouvait encore utiliser son nom pour donner le nom du score. C'est à l'époque en 80, c'était le début du scanner, et donc il n'y avait pas de possibilité de faire des scanners systématiques aux patients. Et le truc, c'est qu'en 50 ans, enfin en 40 ans, de 81 à nos jours, on n'a toujours pas réussi à trouver un meilleur score que ce score de Binet clinique. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire d'imagerie scanner TEP dans la LLC. Ça n'apporte pas d'éléments pronostic ni de choix thérapeutique. Ouais, voilà, le fait de faire un TEP, ça peut parfois rattraper le diagnostic de indolent en train de se transformer en agressif. C'est pour ça qu'on le fait maintenant dans quasi tous les cas. Je pense qu'on est bon. Oui. Allez. Donc, le DP5, vous avez un patient de 70 ans qui vient à votre consultation et votre remplaçant a prescrit un bilan au décours d'un épisode de pneumopathie dont voici les résultats. J'espère que vous voyez bien. La question que l'on se pose, c'est comment est-ce que vous interprétez cette électrophorèse des protéines sériques et comment est-ce que vous avancez dans votre démarche diagnostique. Donc là, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que à ce niveau-là, au niveau des gamma-globulines, on a un petit pic qui se démarque. Attendez, je pense que j'ai un problème. Non, c'est bon. Et donc, du coup, sur le PS, donc, on voit un pic qui a l'air d'allure monoclonale. L'électrophorèse, elle va juste nous permettre de dire qu'il y a un pic. Et plus, on va dire, plus ce pic va être étroit, et plus il y a de probabilité que ce soit la même immunoglobuline qui soit synthétisée. Quand on a des pics qui sont plutôt d'allure polyclonale, on a des pics qui sont avec des... qui sont... Hop.
Hop, ici, là, ça ne fait pas un petit pic très pointu, c'est plutôt très étendu. Mais ce n'est pas l'examen qui va nous permettre de dire avec certitude si c'est polyclonal ou monoclonal. L'examen qui va nous permettre de dire, c'est l'immunofixation des protéines sériques. Et donc, du coup, c'était ces deux réponses-là. Alors, l'électrophorèse des protéines sériques. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, vous allez prendre toutes vos gamma globulines et vous allez les passer pardon, dans un gel et ces protéines, elles vont migrer en fonction de la charge électrique qu'elles ont. Là, il faut faire attention. C'est pas mal d'ailleurs que ce schéma soit là. À bien faire attention dans le sens dans lequel est orientée votre électrophorèse. Ici, là, c'est pas un pic, c'est bien le taux d'albumine. Et donc, vous pouvez avoir des électrophorèses qui sont dans les deux sens. Donc, ne pas vous fier juste au fait que s'il y a quelque chose à droite, c'est un pic. Pardon. Et donc, vous allez avoir vos immunoglobulines qui vont migrer en fonction de leur charge électrique et qui vont s'arrêter en fait là où elles doivent s'arrêter. Mais ça ne va pas vous préciser la nature des protéines en fait, qu'il y a à ce niveau-là. Donc, on a le PS et on réalise l'immunofixation. Le PS, elle a retrouvé un pic qui était mesuré à 7 grammes. Et donc là, vous avez votre immunofixation. Donc, on voit que ici, on a une grosse fixation au niveau G, donc des IgG, et qu'on a aussi une grosse fixation au niveau des immunoglobulines kappa. Et donc, du coup, on retrouve là l'immunofixation nous permet bien de dire que notre pic est monoclonal de type IgG-Kappa. Quels éléments vous semblent le plus pertinents pour avancer dans la démarche diagnostique? Donc, quand vous découvrez un pic, l'idée c'est de chercher des arguments pour un myélome ou une pathologie lymphomateuse ou cancéreuse. Donc, du coup, les douleurs osseuses, ça va dans le sens du myélome. Les urines mousseuses, ça va aussi dans le sens du myélome parce que les urines, elles vont être mousseuses à cause de la protéinurie. L'asthénie, la perte de poids, ça va dans le cadre de tout cancer. Et pareil, toute pathologie néoplasique est à risque de faire des thromboses. Le voyage récent, il n'allait pas vous orienter particulièrement vers une pathologie néoplasique. Tu veux expliquer le dosage pondéral d'abord? Ou après? Alors, je vais essayer. Alors, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ouais. Donc, juste, parce que c'est une erreur qui est assez commune sur le dosage pondéral. Le dosage pondéral, c'est un test qui a été développé pour les déficits immunitaires qui permet de doser de façon séparée les IgG, les IgA et les IgM. Est-ce que tu peux juste revenir sur la slide où il y a l'électrophorèse? Non, peut-être sur la slide de la ligne de fixation, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Bon, encore qu'on ne voit pas grand-chose. Le truc, c'est que le dosage pondéral, donc ça dose l'entièreté des IgG, l'entièreté des IgA et l'entièreté des IgM. Et en fait, quand un patient a un pic monoclonal, le plus souvent il est IgG, et il faut se rappeler qu'il peut aussi avoir des IgG polyclonales qui vont être en dehors du pic. Et si vous faites le dosage pondéral des IgG pour surveiller le pic de ce patient, vous allez le surestimer parce que vous aurez les IgG polyclonales. Et donc, quand vous allez le traiter, vous allez détruire les plasmocytes tumoraux, mais aussi les plasmocytes normaux, dans des proportions différentes. Ce qui fait que le dosage pondéral n'est pas un examen du tout fiable, ni pour mesurer le taux de pic, ni pour son suivi.
C'est pour ça que dans l'ancienne version du collège, et moi je la trouvais très bien, c'était marqué le dosage pondéral des immunoglobulines n'a aucun intérêt dans le miel. Dans le nouveau collège, ils ont décidé de vous remettre une petite phrase vous disant que ça peut servir pour la recherche d'hypogamma. La plupart des centres sont à peu près d'accord là-dessus sur le fait que ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, le dosage pondéral, c'est pas indiqué dans le myélome, c'est plutôt dans les déficits immunitaires. Quand vous voulez diagnostiquer un DICV ou des déficits immunitaires de sous-classe, des immunoglobulines, ça peut être intéressant. Mais retenez que ça n'a pas d'intérêt dans le myélome. Si on a le temps, je pourrais vous expliquer à la fin l'histoire de l'hypogamma et du myélome. Mais je trouve que ça dépasse un peu le cadre de la conférence. Merci beaucoup. Alors, dans les antécédents de votre patient, vous notez de l'arthrose, un cancer de la prostate chez le père. Il n'y a pas de thrombose récente, pas de perte de poids, pas d'allergie. Il a fait une pneumopathie à Covid qui n'a pas nécessité d'hospitalisation. Il fume pas, il boit pas et votre examen clinique, il est normal. Quel bilan vous demandez dans ce contexte? Et bien là, toujours pareil, vous avez un pic, vous avez recherché des signes cliniques du cancer et à pic à IgG, vous vous orientez plus facilement vers un myélome. Là, pareil, vous allez rechercher des critères CRAB. Et donc, vous allez faire la NFS pour éliminer une anémie, la calcémie pour éliminer une hypercalcémie, avec l'albumine pour pouvoir la corriger. Le ionogramme et la créatinine pour éliminer l'insuffisance rénale et puis bah, rechercher une protéinurie qu'on peut retrouver dans le myélome. Il avait réalisé un bilan en ville, donc vous retrouvez sa prise de sang ici. Globalement, il a des globules blancs dans les normes, il n'a pas d'anémie, vous ne retrouvez pas d'hypercalcémie, pas d'insuffisance rénale et pas de protéinurie. Il est protégé pour son Covid maintenant. Et le scanner corps entier, il ne retrouvait pas d'anomalie, donc vous n'avez pas d'argument pour des lésions osseuses. Du coup, votre patient, vous allez l'adresser en consultation sans urgence en hématologie parce que vous n'avez pas de critère CRAB pour le traiter en urgence. Ensuite, votre patient, vous le suivez depuis 8 ans maintenant. Il n'avait pas d'indication de traitement jusque-là et son pic a augmenté progressivement de 7 à 15. Il vient vous voir aujourd'hui parce qu'il se sent de plus en plus fatigué. Il a des douleurs diffuses. Il est constipé depuis une semaine. Et pendant votre entretien, vous remarquez qu'il boit une bouteille d'eau d'un demi-litre et qu'il demande à aller deux fois aux toilettes. Donc là, ce qui devait vous alerter, donc c'est la fatigue, les douleurs, la constipation et le fait de boire et d'aller aux toilettes qui doit vous faire évoquer un syndrome polyuropolydipsique et la prise de sang que vous avez faite. Il n'a pas de cytopénie, mais vous remarquez une calcémie à 3 et une créatinine à 100. Avec une albumine à 30. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce contexte? Il fallait faire un ECG et l'hospitaliser en urgence. Donc, la calcémie, il faut toujours la corriger par rapport à l'albumine. Donc, on vous a remis la formule juste là. Je crois que ça lui faisait une calcémie corrigée à 3,25, je crois. Donc on vous a remis la définition de l'hypercalcémie, donc c'est supérieur à 2,6.
Mais l'hypercalcémie maligne ou hypercalcémie sévère, c'est une calcémie supérieure à 3, c'est une urgence thérapeutique. Et toute hypercalcémie supérieure à 3 nécessite la réalisation d'un ECG en urgence. Et bien sûr, d'une prise en charge. Donc, l'hydratation orale et le retour à domicile, absolument pas. Il faut l'hospitaliser, votre patient, et il faut le réhydrater en IV. Les corticoïdes, il faut d'abord savoir. En plus, là, vous le voyez en consultation, donc il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant de donner n'importe quelle thérapeutique. Et les ANS, surtout pas dans le cadre du myélome. Donc votre patient, il est adressé en hématologie, vous l'hospitalisez, vous avez réalisé son ECG où vous ne retrouvez pas d'anomalie particulière, donc les signes électriques de l'hypercalcémie. Vous avez le petit moyen mnémotechnique, ta raquette plate perd son rythme. Donc la tachycardie, le raccourcissement du QT, l'aplatissement de l'onde T, l'allongement du PR, rythme, et les troubles du rythme, pardon. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette ECG était strictement normale. Et donc là, vous êtes maintenant l'hématologue qui prend en charge ce patient. Le patient, il est obnubilé, il a des douleurs abdominales importantes avec des vomissements maintenant. Et donc, comment est-ce que vous allez prendre en charge son hypercalcémie? Donc, pour rappel, juste les signes cliniques de l'hypercalcémie. Donc, vous avez les signes digestifs, donc ça va être la constipation, les douleurs abdominales, les vomissements. Vous allez avoir les signes au niveau rénaux avec la déshydratation, le syndrome polyuropolydipsique, les signes neurologiques, la confusion, l'obnubilation qui peut aller jusqu'au coma. Et les signes électriques au niveau cardio. Donc là, votre patient, il a une hypercalcémie qui est liée à son myélome. Donc vous allez le traiter avec des bisphosphonates. L'hypercalcémie dans le myélome, elle est liée, enfin, dans le contexte de douleur osseuse, à la lyse osseuse qui va libérer du calcium. Donc les bisphosphonates, c'est un traitement qu'on utilise dans le myélome. Et puis, avant toute chose, le traitement de l'hypercalcémie, ça va d'abord être la réhydratation. Le sulfate de protamine, ça n'a rien à voir, c'est l'antidote de l'héparine. L'hémodialyse en urgence, il n'avait pas de critères de dialyse, hormis son hypercalcémie, il n'avait pas d'insuffisance rénale, il avait pas de... Bon, il n'avait pas de critères de dialyse en urgence. C'est essentiellement le produit phosphocalcique qui va vous aider à déterminer s'il y a des critères de dialyse et s'il y a une insuffisance rénale et avec Est-ce que je peux juste intervenir là-dessus? Parce que le produit calcium phosphore, c'est surtout dans le syndrome de lyse. Et Oui, bon, ça a été un peu remis en cause. Juste dans la plupart des recommandations, c'est calcémie corrigée supérieure à 4 millimoles par litre. Ou signe de gravité ECG. Et alors, il faut faire très attention à ça. Ne pas confondre signe ECG de l'hypercalcémie et signe de gravité. Les signes de l'ECG, c'est ce que Lali a cité tout à l'heure, avec ta raquette plate perd son rythme, tachycardie, raccourcissement du QT, allongement du PR et trouble du rythme de type tachycardie ventriculaire, et pas torsade de pointe. Et ce qui est des signes de gravité, c'est tout. Sauf la tachycardie. Parce que la tachycardie, c'est plus un reflet de la déshydratation qu'on retrouve dans l'hypercalcémie. Par contre, si vous avez les autres signes, raccourcissement du QT, allongement du PR ou des troubles de type tachycardie ventriculaire, là, c'est des indications de dialyse en urgence. merci. Et bien évidemment, votre patient, il va quand même rester hospitalisé. Et puis surtout, vous allez
il a des critères CRAB, donc il a des critères de, avec l'hypercalcémie et l'insuffisance rénale, donc il a des critères de traitement, donc vous n'allez pas le revoir en consultation dans un an. Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. La prise en charge de l'hypercalcémie, on en a parlé. Donc, après amendement de l'hypercalcémie, après avoir hydraté votre patient, après avoir fait des bisphosphonates et avoir fait des corticoïdes, les corticoïdes, on les utilise, c'est un des traitements étiologiques du myélome, donc on est amené à utiliser la dexaméthasone dans la prise en charge de l'hypercalcémie et du myélome. Et donc, vous lui refaites un bilan, vous retrouvez un pic à 35, une protéinurie à 2 grammes qui est essentiellement constituée de chaînes légères, une insuffisance rénale qui persiste avec une créatinine à 110, et votre myélogramme, il confirme l'infiltration par 50% de plasmocytes dystrophiques. Qui confirme le diagnostic de myélome, et donc quel bilan d'imagerie vous allez réaliser. Ici, ce qu'il fallait faire, c'était un TEP scanner. L'examen de référence pour rechercher les lésions osseuses dans le myélome, c'est le scanner corps entier faible dose non injecté. Donc pas d'injection dans le myélome, surtout que votre patient, alors elle est certes pas majeure, mais il a quand même toujours une insuffisance rénale. Et puis la TEP est en train de prendre progressivement le dessus et reste aussi un examen qui permet de rechercher des localisations extramédulaires et qui est utilisé dans le suivi du myélome du sujet jeune notamment. Voilà, les radiographies, on n'en fait plus depuis longtemps. Le scanner, donc, il n'est pas injecté si on le fait. L'IRM cérébral, elle n'a pas sa place, de même que la scintigraphie. Le TEP scanner, il retrouve de multiples lésions ostéolytiques. Et donc, votre patient, vous allez le traiter par un schéma donc VRD qui associe du Velcad, de la dexaméthasone et de la lénalidomide. Et donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme mesure associée? Il n'y a pas besoin de mettre de chambre implantable chez les patients atteints de myélome parce que les traitements, c'est soit sous-cutané, soit péroce. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un accès veineux en permanence chez ces patients-là. Par contre, le plasmocyte, donc c'est une cellule qui dérive du lymphocyte B, donc pareil avec les risques d'hypogamma qui sont associés, et donc le risque d'infection à virus herpès ou zona et à la pneumocystose. Donc il faut mettre en place des prophylaxies, Bactrim et Zélitrex. Les biphosphonates, on va les faire de manière mensuelle pour limiter la lyse osseuse dans le myélome. Et les perfusions d'immunoglobuline polyvalente, et ben c'est toujours la même chose. Si jamais on a des infections à répéter, on peut être amené à les mettre, mais c'est après avoir mis en place les mesures prophylactiques. Voilà pour ce DP. Du coup, il y a quelques questions. Oui. Alors déjà, il y a le débat sur je vais revenir sur les corticoïdes pour la gestion de l'hypercalcémie. En fait, ce patient-là, il a une indication de mettre des corticoïdes. Parce que ça va être le traitement de les corticoïdes ont des vertus antitumorales, antiplasmocytaires. Le problème, c'est que à ce moment-là du dossier, vous n'êtes pas sûr encore qu'il ait évolué en myélome. Il pourrait avoir très bien une autre cause d'hypercalcémie. Par exemple, il y a un de mes chefs qui a fait sa thèse de médecine sur le fait qu'il y a plus d'hyperparathyroïdie primitive chez les patients qui ont un MGUS.
La juste présence de l'hypercalcémie n'est pas suffisant pour entériner le diagnostic, l'évolution en myélome. C'est pour ça qu'en fait, les corticoïdes, il faut attendre que vous ayez prouvé. Donc, on va attendre d'avoir quelques éléments complémentaires pour pouvoir le confirmer. L'autre chose, c'est qu'en fait, les corticoïdes, ça ne marche que sur certaines causes d'hypercalcémie. C'est pour ça que c'est pareil, on ne le fait pas à tous les patients. Ça ne marche que dans la sarcoïdose, parce que ça va empêcher l'hydroxylation de la vitamine D qui est faite dans les granulomes de la sarcoïdose. Dans le surdosage en vitamine D, qui est souvent lié à des erreurs de galénique, les patients qui vont boire des ampoules du Védos tous les jours au lieu de tous les mois, ou tous les 3 mois, ça arrive une fois de temps en temps. Et enfin, dans le myélome. C'est pour ça que, par exemple, dans l'hyperparathyroïdie primitive, au vu de la physiopathe, ça n'a aucun intérêt de mettre des corticoïdes. C'est pour ça que les corticoïdes, c'est assez rare que vous l'ayez à le cocher dans le contexte d'hypercalcémie, à part si vous avez un diagnostic confirmé. Donc ça, c'était le premier point. Après, il y a une question sur, imagine, t'as un patient à qui tu suspectes fortement d'avoir un myélome, tu fais l'électrophorèse et tu retrouves une hypogammaglobinémie. Quel est l'examen qui va permettre de confirmer que c'est un myélome à chaîne légère? Qu'est-ce que tu proposerais? Eh ben, le dosage des chaînes légères libres sériques ou alors dans le sang ou alors de faire une protéinurie. Oui, tout parce à fait. Parce que du coup, vos chaînes légères, elles vont être éliminées par le rein. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui va vous aider. En théorie, si vous faites une immunofixation à un patient qui a un myélome à chaîne légère, vous pouvez retrouver la chaîne légère en excès. Enfin, la chaîne légère monoclonale, mais vous ne pourrez pas la quantifier. L'immunofixation, ce n'est qu'un examen purement qualitatif. Donc, comme le disait Lali, hein, il faut que vous ayez, soit on fait les deux, hein, la recherche de protéinurie, vous allez retrouver souvent une protéinurie assez importante, ou, et maintenant, ce qui est l'examen un peu de référence et de suivi aussi, c'est le dosage de chaîne légère sérique. En fait, le problème des examens urinaires, c'est qu'on s'est rendu compte avec le recul que c'est extrêmement fluctuant. Alors c'est pour ça qu'à une époque, on faisait tout le temps des protéinuries des 24 heures. Bon, on s'est rendu compte que c'était très très compliqué à faire dans la vraie vie. Hein. Vous rendrez bien compte quand vous serez interne. Entre les aides-soignantes qui vont jeter sans faire exprès les pots, les patients qui vont oublier, c'est très difficile d'obtenir ça en pratique. Donc on le fait toujours, on le fait sur échantillon. Il faut savoir que sur l'échantillon, ça peut extrêmement varier au cours de la journée. Et donc là, il y a des tractations à l'heure actuelle pour éliminer tout ce qui est le suivi urinaire des patients myélomateux et qui est en train d'être remplacé par le dosage des chaînes légères sériques. Est-ce que tu veux parler de valacyclovir en systématique? Est-ce que tu penses que c'est justifié de donner un traitement qui va limiter l'herpès et le VZV chez un patient qui a une pathologie du lymphocyte B? Alors, moi, on m'a toujours dit que les patients qui avaient un myélome étaient plus à risque de faire des réactivations herpétiques. Et donc, myélome égale Zélitrex. En gros, la physiopathe. Ouais. La physiopathe, c'est en fait, la même chose dans toutes les pathologies lymphoïdes. Donc les pathologies lymphoïdes, je rappelle, c'est LAL, lymphome, LLC et myélome. Myélome, attention, c'est un faux ami. C'est pas pour myéloïde, c'est pour mémoire. C'est une pathologie du lymphocyte B mémoire, on appelle également plasmocyte. Et ces quatre maladies, elles vont entraîner une perturbation globale du système immunitaire, surtout des lymphocytes B et T. Soit parce que la cellule tumorale est dans le lymphocyte B, comme c'est le cas dans la plupart des LAL, des lymphomes, des LLC, des myélomes. Mais aussi, elle va perturber les autres cellules du système immunitaire. Et donc il y a souvent un déficit T associé qui va être encore plus aggravé par les traitements. Et comme le disaient certains dans le chat, les corticoïdes par exemple, les corticoïdes au long cours donnés aux patients myélomateux va entraîner un déficit T. Donc c'est vrai que comme le disait Lali, il y a des on s'est rendu compte que le myélome et la LLC aussi font plus souvent des zonas, des réactivations herpès, même sans traitement. Mais ça va être encore plus aggravé par les traitements que vous allez proposer aux patients, qui ne sont pas encore à l'heure de la médecine personnalisée à vraiment cibler que la cellule tumorale, ça va aussi détruire les cellules normales avoisinantes. Et après, est-ce que tu as un petit avis sur les bifosonates? Est-ce que c'est vraiment mensuel IV qui doit être fait dans le myélome, ou est-ce qu'on peut faire comme dans l'ostéoporose
et faire annuel. Est-ce qu'on peut faire son Zometa annuel? J'ai pas d'avis, mais on a toujours fait mensuel. Alors, faut raconter un peu l'histoire. En gros, les bifosonates, ça a été développé dans l'ostéoporose. Donc, il y a des schémas qui ont été proposés. Et après, il y a des gens intelligents, des rhumatologues, des internistes, des hématologues se sont dit, mais il y a des complications osseuses dans le myélome, est-ce qu'on pourrait pas diminuer ces complications? Et en fait, l'étude, elle a été designée en le proposant IV mensuel. Parce que c'est le... En fait, quand on fait une injection de bifosonate en IV, au bout d'un mois, il y a une diminution de l'effet. Dans l'ostéoporose, c'est pas très grave, parce que l'objectif, c'est de consolider les choses. Le myélome, c'est quelque chose de beaucoup plus agressif auquel il faut proposer des doses plus fortes et de façon répétée pour limiter les complications. Et l'étude de phase 3, il y en a même eu deux, qui ont confirmé l'intérêt des bifosonates dans le myélome, c'est des études qui ont été testées en IV mensuel. Donc c'est pour ça que vous avez cette dose-là qui est proposée dans le myélome et une dose différente proposée dans l'ostéoporose. Parce que c'est pas la même physiopathe et c'est pas les mêmes études qui ont confirmé l'intérêt de tout ça. Et alors ce qui est incroyable quand même, c'est que l'étude de bifosonate IV dans le myélome, c'est une étude où il y a eu une amélioration de la survie globale. C'est quand même assez rare qu'un soin de support améliore la survie globale des patients. Donc d'où l'importance, hein, et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, de ces injections. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Mmh. Et alors après, il y a une petite question aussi qu'on me pose parfois, en attendant, au cas où vous auriez d'autres questions qui viennent, c'est la complication des bifosonates répétées, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire. Et on sait que le facteur principal qui va jouer là-dessus, c'est le fait de répéter de façon rapprochée ces injections. Donc vous ne pouvez pas y toucher à ça, parce que c'est là-dessus que ça a été validé dans le myélome. On me dit, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque lorsqu'on fait des bifosonates dans l'hypercalcémie du myélome, de provoquer cette fameuse ostéonécrose? Est-ce que je ne suis pas obligé d'envoyer le patient chez le dentiste avant toute injection de bifosonate? Et la réponse est non, vous n'êtes pas obligé si vous faites une seule injection. Quand on fait l'injection unique dans l'hypercalcémie et au diagnostic de myélome, vous n'augmentez pas le risque d'ostéonécrose, c'est vraiment la répétition des injections qui va être en cause. Donc vous faites tranquillement votre première injection dans le contexte aigu, et après vous enverrez votre patient faire son bilan dentaire chez un stomato ou un dentiste. Et par contre, s'il y a un problème dentaire, parce qu'il faut savoir que dès que vous touchez à la gencive chez un patient qui se bifosonate, vous risquez de lui provoquer l'ostéonécrose via l'inflammation provoquée par le geste qui touche à la gencive. Et donc il faudra arrêter les bifosonates pendant plusieurs mois. Donc c'est pour ça, l'idée c'est plutôt de faire les soins dentaires avant de commencer les bifosonates répétés. On va passer au dernier DP, s'il n'y a pas d'autres questions. Cette fois-ci, vous avez une patiente de 82 ans qui a comme antécédent une BPCO, une dyslipidémie, une chondrocalcinose et qui se présente aux urgences pour un saignement buccal abondant à la suite d'un brossage de dents. Elle a des bonnes constantes à l'arrivée, elle est un petit peu hyper tendue. Elle a une saturation tout juste acceptable à 92% en air ambiant. À l'interrogatoire, vous retrouvez donc une répétition de ces saignements les trois dernières semaines et elle se sent de plus en plus fatiguée depuis un mois avec des difficultés à réaliser les tâches de la vie quotidienne. À l'examen clinique, vous retrouvez un saignement buccal qui est peu abondant. Et qui part des gencives de façon diffuse. Il n'y a pas de lésion traumatique évidente. Vous ne retrouvez pas de bulle hémorragique intrabucale. Et à l'examen clinique, vous avez un purpura pétéchial qui est localisé aux membres inférieurs et supérieurs et aussi sur le pourtour des lèvres. Le reste de l'examen, il est sans particularité. Vous avez donc son bilan avec elle. Vous retrouvez pas d'anomalie au niveau des
des leucocytes. Vous avez une anémie qui est normocytaire, arégénérative et une thrombopénie à 24. Pas de cellules anormales visualisées au frottis sanguin. Donc là, une question habituelle de dossier d'hémato sur l'ANFS. La patiente, elle présentait une anémie qui était normocytaire, son VGM était à 88. Elle avait effectivement une neutropénie parce que ses PNN étaient inférieurs à 1,5. La thrombopénie à 24 gigas par litre. Il n'y a pas d'indication à une transfusion de culoglobulaire là dans l'immédiat parce qu'elle a un taux d'hémoglobine qui est supérieur au seuil de transfusion. Là, on était en face d'un tableau de pancytopénie parce qu'on avait donc une anémie, une thrombopénie et une neutropénie. Concernant le purpura, le purpura, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va passer assez vite là-dessus. Le purpura thrombopénique, il peut être échymotique, comme on l'a dit. Le purpura fulminant, c'est surtout des lésions infiltrées nécrotiques et rapidement extensives. Le purpura vasculaire, il ne touche pas les muqueuses. Les muqueuses, c'est le purpura thrombopénique. Le purpura vasculaire, il va plutôt toucher les parties déclives au niveau des membres inférieurs. Le purpura thrombasthénique de Glanzmann, il n'est pas vasculaire. Ça, c'est du cours. Excusez-moi. Dans la thrombopénite induite à l'héparine, si un purpura survient, il est classiquement déclive et infiltré. Alors non, parce que dans la thrombopénie induite par l'héparine, ça va être un purpura donc thrombopénique, et donc du coup, ça va plutôt être comme les purpuras thrombopéniques, donc plutôt des lésions muqueuses. Quels sont les examens de première intention devant ce tableau clinico-biologique? Donc, la réponse attendue, c'est un myélogramme. Tout patient pancytopénique justifie la réalisation d'un myélogramme. L'immunophénotypage sanguin, il n'y avait pas de raison parce qu'on ne voyait pas de cellules anormales. La biopsie ostéomédulaire, c'est quand même assez invasif, alors que le myélogramme pourra sûrement répondre à notre question. La recherche de mutations MPL sur sang circulant, c'est une mutation qu'on recherche dans le cadre d'un syndrome myéloprolifératique. Là, on était plutôt sur le versant pancytopénique. Et l'électrophorèse de l'hémoglobine, on la ferait si on avait des arguments pour une anémie isolée. Mais là, dans le contexte de pancytopénie, il faut aller regarder directement la moelle osseuse, comment est-ce qu'elle fabrique toutes ces cellules sanguines. Le patient, il est adressé en hématologie, donc pour la suite de sa prise en charge. Le myélogramme, il est réalisé, il retrouve une dysgranulopoïèse, une dysmégacariopoïèse, une dysérythropoïèse et pas d'excès de blast. Donc, au vu de ces résultats, à quelle pathologie vous pouvez rattacher le bilan de cette patiente. Ce qui était attendu ici, c'est un syndrome myélodysplasique. Donc, le syndrome myélodysplasique, c'est une pathologie qui va induire une dysmyélopoïèse. Et donc là, vous aviez une altération de la fabrication des trois lignées avec la dysgranulo, la dysmégacario et la dysérythropoïèse. Donc vous aviez tous les arguments pour confirmer la présence d'un syndrome myélodysplasique. Ensuite, on vous demandait l'analyse la plus pertinente à réaliser en complément de la cytologie et de la coloration de PERCS pour le diagnostic de ce patient. Donc, c'était une question à réponse unique. Et la réponse attendue, c'était l'analyse cytogénétique.
Quand vous êtes en présence d'un syndrome myélodysplasique, donc vous avez besoin de la cytologie pour voir les signes de dysmyélopoïèse, pour évaluer la présence d'un excès de blastes ou non, et de rechercher des anomalies au niveau du karyotype qui vont nous permettre de calculer le score pronostique qu'on utilise dans le syndrome myélodysplasique, qui est le score IPSS, et qui va nous permettre de classer les patients en haut risque ou bas risque, et donc de savoir s'ils ont une indication de traitement. Le déficit en ADAMTS T3, c'est... c'est un marqueur que l'on cherche. Pardon. Oui. Tu veux intervenir? Ouais, la dame stress, c'est dans le PTT. C'est dans le PTT, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas, enfin, ça n'a pas de rapport direct avec ce qu'on est en train de voir là. La recherche de BCR-ABL, donc ce serait pour rechercher une LMC, mais qui pareil est un syndrome myéloprolifératif. Là, on est plutôt dans un contexte de pancytopénie. La recherche de corps de Joly au niveau médulaire, elle n'a pas de contexte. De contexte ici. Pardon, excusez-moi. Les corps de Joly, c'est. J'ai un trou, Pierre-Edouard. Les corps de Joly, c'est. Qui est présent dans les globules rouges vieillissants et qui est normalement un signal d'alerte pour que les macrophages les mangent dans la rate. Et donc vous avez des corps de Joly qui sont présents dans le frottis sanguin en cas d'asplénisme ou de splénectomie. Ça, dans les... Voilà. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas de rapport direct et surtout, ça ne se fait pas sur la moelle. Et ça ne se fait effectivement pas sur la moelle, ça se voit directement sur le sang. Et la recherche d'un parvovirus B19, le parvovirus B19, ça donne surtout des érythroblastopénies. Mais là, pareil, contexte n'est pas évocateur parce qu'on a une atteinte de toutes les lignées et pas juste des globules rouges. Donc, je vous ai remis le score IPSS pour information. Alors vous n'avez pas à connaître comment est-ce qu'on calcule ce score. Ce qu'il faut juste que vous reteniez, c'est donc que pour le diagnostic de myélodysplasie, on a besoin du pourcentage de blast, du karyotype et de la présence des cytopénies. Donc pour pouvoir dire si notre patient il a une indication de traitement ou pas, en fonction de s'il est bas risque ou pas. La question suivante, donc c'était sur la classification OMS du syndrome myélodysplasique. Et donc, on vous demandait, donc la classification OMS prend en compte la présence de sidéroblastes en couronne, ça c'est vrai. La classification OMS prend en compte la présence d'une délétion 5Q- au diagnostic. Ça, c'est vrai, on recherche les anomalies au niveau du karyotype. Et la présence d'une délétion 5Q-, c'est un type de syndrome myélodysplasique particulier. La classification OMS, elle ne prend pas en compte le nombre et la profondeur des cytopénies, ça c'est le score pronostique, le score IPSS ou RIPSS, peu importe. Et la présence d'une mutation de TP53 en biologie moléculaire, pareil, elle n'est pas prise en compte dans le score OMS, mais elle a un impact pronostique. Donc la classification OMS, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a des cytopénies ou pas, s'il y a de la dysmyélopoïèse et quelle lignée est atteinte sur cette dysmyélopoïèse, s'il y a des sidéroblastes en couronne et s'il y a un excès de blastes ou pas. Et certaines myélodysplasies avec des anomalies karyotypiques particulières, dont la délétion 5Q. Donc ça, c'est du cours, il n'y a juste y a pas vraiment de débat là-dessus.
Concernant le risque infectieux associé au syndrome myélodysplasique, quelles étaient les bonnes réponses? Donc, le risque infectieux, il est augmenté dans le syndrome myélodysplasique, ça c'est vrai, surtout que votre patiente, là, elle avait donc une neutropénie, et donc vous avez plus un risque d'infection bactérienne. Il existe un risque de transformation en leucémie myéloïde aiguë. C'est l'évolution naturelle du syndrome myélodysplasique si on la laisse sans traitement lorsqu'il y a des indications de traitement. Le seul traitement curatif, effectivement, c'est la greffe de moelle osseuse. Et il existe un risque d'hémorragie grave en cas de thrombopénie importante associée. Voilà pour ce dossier de syndrome myélodysplasique assez classique. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Là, il n'y a pas trop de questions sur. Sur tout, tout, tout. Oui, je voulais revenir à un truc qu'on a dit tout à l'heure pour bien préciser les choses parce que ça a été reposé comme question sur les indications de transfusion. Donc, ce qui fait référence, il y a une recommandation moi, que je vous conseille de lire, guide HAS des transfusions, qui est très bien faite, qui vous explique à quel seuil il faut transfuser, etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, il faut bien ancrer le plus important dans les indications de transfusion, c'est la clinique et pas la biologie. Si votre patient il a une anémie et qu'il la tolère très mal, alors pour rappeler les signes de mauvaise tolérance, hein, c'est un patient qui est confus, patient qui a des douleurs thoraciques, qui fait de l'angor fonctionnel, qui va faire des malaises dès qu'il se lève, là c'est une anémie qui est mal tolérée. Une altération d'état général, c'est pas suffisant, par exemple. Là oui, il faut transfuser. Et donc, si vous n'avez pas ça, désolé, si vous n'avez pas ça, il faut regarder les seuils. C'est 8 grammes pour l'hémoglobine. Si vous avez une hémopathie, 7 grammes pour les autres patients, sauf pour les carences en vitamines. Pour les carences en vitamines, vous n'avez pas de seuil à retenir en termes d'hémoglobine pour la transfusion. Ça ne sera, vous ne transfusez les patients sur les carences que en cas de mauvaise tolérance clinique. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que greffe de moelle osseuse c'est égal à allogreffe? Oui. Oui, bien sûr. Greffe, non, c'est pas vraiment une greffe de moelle osseuse, mais oui, allogreffe et greffe de moelle osseuse, c'est la même chose. Mais quand vous mettez greffe de moelle osseuse, c'est pour allogreffe. Pardon de cette imprécision. Faut se rappeler, la myélodysplasie, c'est un trouble qualitatif de la moelle. Si vous voulez vraiment avoir un effet thérapeutique, faut la remplacer par la moelle de quelqu'un d'autre. Regreffer la même moelle au patient, ça ne va pas apporter d'effet thérapeutique. Est-ce que tu connais la physiopathe des sidéroblastes dans le syndrome myélodysplasique? Enfin, des sidéroblastes en couronne? Parce que toute personne a des sidéroblastes. Hein. C'est une étape de la maturation de la lignée érythroïde. Non, mais je ne la connais pas, la physiopathe. Alors, donc, les sidéroblastes, c'est une des étapes dans la lignée de maturation des érythroïdes où le fer va être incorporé dans les cellules pour pouvoir former les molécules d'hémoglobine. Parce qu'il y a le fer qui est central dans la molécule d'hémoglobine. Et normalement, le fer, il va de l'extérieur du cytoplasme pour aller vers le noyau. Et quand vous faites la coloration de perles où on regarde le fer qu'il y a dans les cellules, vous voyez que le fer, il reste en périphérie de la cellule. Donc ça donne un aspect de couronne à la cellule. C'est pour ça qu'on a le nom de sidéroblaste en couronne. Parce qu'elle n'est pas capable d'aller mettre le fer au bon endroit. Là où va être produite la molécule d'hémoglobine. Il est bloqué en périphérie. Et ça, c'est un signe de dysplasie. Et ça va donner deux choses. C'est que c'est important d'avoir cet aspect-là parce que c'est bon pronostic. C'est des myélodysplasies qui ont un très faible risque d'évolution en leucémie aiguë. Mais par contre, qui vont avoir beaucoup de cytopénie, d'anémie. Et qui vont avoir une grosse surcharge en fer. Parce que l'organisme, il va penser qu'il manque de fer vu qu'il n'arrive pas à produire les molécules d'hémoglobine. Donc il va essayer de favoriser l'absorption plus importante de fer au niveau du duodénal.
Enfin, au niveau, oui, au niveau du DM. Donc, il y a souvent une surcharge en fer très importante dans ces sidéroblastes en couronne. Dans ces myelodysplasies avec sidéroblastes en couronne. Ouais, Lucas, on peut débattre. Moi, je suis d'accord qu'il aurait mieux fallu qu'on mette allogreffe. Je pense qu'on essaiera de la corriger. Ouais, on aurait dû préciser allogreffe. Je te laisse continuer. Oui. Du coup, on va passer aux questions isolées. La première question, c'était quels sont les facteurs vitamine K dépendants ? Bon, bah, ça, c'est du cours. Les facteurs vitamine K dépendants, donc on a le facteur 10, le facteur 9, le facteur 7 et le facteur 2. Ce qui est important de ne pas oublier, c'est que la protéine C et la protéine S qui interviennent donc, dans la fibrinolyse, elles sont aussi vitamine K dépendants. Pardon. Et donc, c'est pour ça que quand vous avez des patients que vous mettez initialement sous AVK, vous mettez systématiquement de l'héparine en plus pour éviter justement la formation de thrombose paradoxale qui va être liée à la présence de la protéine C et de la protéine S qui ne vont plus pouvoir faire leur action de fibrinolyse. Mais donc voilà, pas oublier la protéine C et la protéine S dans les facteurs vitamine K dépendants. Les complications sous héparine. Donc, l'antidote de l'héparine en cas de saignement, c'est le sulfate de protamine. Ça, c'était vrai. Il suffit juste de l'apprendre. La thrombopénie induite par l'héparine, elle se manifeste principalement par des manifestations hémorragiques. Alors non, c'est surtout des manifestations thrombotiques. Typiquement, ça va être le patient que vous avez mis sous héparine pour une embolie pulmonaire et qui, quelques jours après, va se remettre à thromboser alors qu'il est sous héparine. Donc c'est plus des manifestations thrombotiques. La TIH est une contre-indication à vie à l'utilisation de l'héparine et il faut utiliser un anticoagulant de substitution comme le danaparoïde sodique. Donc ça, c'est vrai. Alors, je pense que je vois déjà le débat parce que j'aurais dû mettre la TIH de type 2 et pas la TIH sans précision, mais c'est la TIH de type 2 qui est une contre-indication à vie à l'utilisation de l'héparine, donc mea culpa, on le changera. Le syndrome hémorragique, c'est la complication la plus fréquente à redouter. Oui, tout patient qui est mis sous héparine, il faut surveiller du coup l'héparine est mise avec l'antidissa pour éviter les surdosages. C'est cette complication-là que vous aurez le plus fréquemment. Et la TIH de type 2, elle est plus fréquente avec les HLF plus que les HBPM. Et donc, du coup, on vous a remis les complications des anticoagulants. Donc, toujours penser, anticoagulation égale risque de syndrome hémorragique. Donc, surveillance par héparinémie ou anti-DISA. La complication la plus grave, pardon, c'est la thrombopénie induite par héparine, la TIH de type 2, qui nécessite une surveillance des plaquettes. La TIH de type 1, elle est assez fréquente, elle est liée tout simplement à une interaction entre l'héparine et les plaquettes, et donc elle va se retrouver de manière assez fréquente, elle sera asymptomatique, avec une thrombopénie qui va être assez modéré et qui va apparaître assez rapidement. Mais c'est surtout la TIH de type 2 que vous allez rechercher, qui va apparaître un peu plus tardivement, qui est lié à un mécanisme immuno-allergique avec l'apparition d'anticorps anti-PF4. Et
Et donc, on va avoir le tableau clinique, ça va être donc des thromboses, plus souvent des thromboses veineuses que artérielles, avec une thrombopénie qui va être brutale et profonde. Et le traitement, l'arrêt, il est définitif dans le cadre du TIH de type 2. Tu veux répondre à l'oral, Pierre-Édouard? Tiens, c'est juste, voilà, faut bien rappeler le fait que l'anticorps, en fait, il va activer la coagulation en ciblant l'antithrombine 3. Voilà, et donc ça fait que c'est pour ça que vous avez des thromboses, et après ça consomme les plaquettes pour former les thrombus, les thrombies, pardon. Et c'est pour ça que vous avez une thrombopénie. Mais c'est vraiment des thromboses qui est en tête de gondole. Il faut faire attention, hein. La réponse D à la question, elle est vraie parce que la question est sur les complications liées aux héparines. Il est beaucoup plus fréquent d'avoir une hémorragie sous héparine qu'avoir une thrombopénie induite à l'héparine. Voilà pour les accidents des anticoagulants. Les étiologies d'une thrombopénie de consommation. Donc, on a une consommation de plaquettes dans la CIVD et dans les maths avec le PTT et le CHU. L'alcoolisme, la chimiothérapie, donc ça va être une thrombopénie centrale, pardon. Donc vous allez avoir les thrombopénies centrales et les thrombopénies périphériques. Dans les thrombopénies centrales, donc vous allez avoir toutes les hépopathies malignes et puis les traitements par chimiothérapie ou par médicaments qu'on peut mettre en place. Et puis ensuite, dans les thrombopénies périphériques, donc vous aurez les thrombopénies de consommation, avec la MAT et la CIVD, les thrombopénies de séquestration, notamment avec tout ce qui va induire une splénomégalie et un hypersplénisme, et puis les thrombopénies d'hyperdestruction, qui vont souvent être des thrombopénies auto-immunes, avec dedans le PTI et les autres maladies. Juste un petite remarque là-dessus, hein, parce que, et là c'est bien marqué sur ta slide, c'est l'alcoolisme aigu. Bon, mon fils va absolument donner son avis, désolé. La thrombopénie médicamenteuse, c'est des causes pour l'immense majorité périphériques, sauf l'alcool. C'est marqué, vous voyez, au milieu de la source médullaire. Parce qu'en fait, l'alcool, quand on fait du binge drinking, il y a une destruction des mégakaryocytes. Et donc ça donne des thrombopénies modérées autour de 80 à 100 gigas par litre, juste derrière une grosse cuite. Donc faut pas s'inquiéter de ça. Ça va régresser 4-5 jours le temps de demi-vie des plaquettes et de la reproduction de nouveaux mégakaryocytes. Mais voilà, c'est une cause centrale. Si on vous demande l'alcool aigu, c'est une cause centrale de thrombopénie. Et donc c'est aussi une des questions importantes à demander en cas de thrombopénie. Désolé. Voilà, donc il faut rechercher l'alcoolisme aigu et à l'inverse, éviter de faire des NFS aux poivrons qui viennent ou aux faluchards qui viennent en PLS. Parce qu'après, vous allez vous retrouver avec des thrombopénies que vous allez explorer. Alors c'est souvent des thrombopénies qui vont régresser toutes seules. Merci pour ces petites précisions. Alors, quand on, là, je vois une question, mais quand on recherche la TIH, on a un score, et en fait, dans la TIH, le score, il est élevé si on a une diminution du taux de plaquettes de plus de 40%. Donc, en fait, tout va dépendre du taux duquel on part, mais par brutalité et par profondeur, on entend le pourcentage
de diminution par rapport au taux habituel du patient. Alors, c'est sûr qu'avec une thrombopénie à 20 gigas par litre, qui traîne depuis un moment, on aura envie d'explorer autrement, mais la profondeur, elle est liée au pourcentage de diminution par rapport au taux de base et à leur rapidité d'installation de cette, de cette diminution. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc les médicaments qui peuvent être responsables d'une anémie macrocytaire, globalement les plus fréquents que vous allez retrouver, bon, surtout en hémato, mais ailleurs, ça va être le Bactrim, le méthotrexate et l'hydroxyurie. En fait, c'est des médicaments qui vont intervenir dans le blocage de la synthèse d'ADN et notamment dans le métabolisme des folates. Qui du coup intervient dans la synthèse de l'ADN des érythroblastes. Donc, typiquement, un patient qui est sous IDREA pour un syndrome myéloprolifératif, si vous trouvez une macrocytose, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est souvent le signe du fait que votre patient y prend son médicament et pas qu'il y a un problème surajouté derrière. Les causes de thrombocytose, un patient chez qui on diagnostique une thrombocytose, alors en dehors de tout contexte aigu particulier de chirurgie ou d'aplasie en cours de régénération, les thrombocytoses chroniques, il y a deux causes. Dans la majorité des cas, ça va être des thrombocytoses réactionnelles. Et donc, il va falloir rechercher une carence martiale et un syndrome inflammatoire avec, en fonction du contexte, un bilan infectieux ou un bilan néoplasique. Et si on a éliminé les causes réactionnelles, là, on va aller rechercher une thrombocytose primitive, notamment l'ATE, la polyglobulite vaquèse, pardon, et la LMC aussi, qui peut donner des thrombocytoses. Donc la thrombocytose, taux de plaquettes donc supérieur à 400, souvent on explore à partir de 450, mais la thrombocytose c'est plus de 400 000 plaquettes. Donc les causes réactionnelles essentiellement, et une fois qu'on les a éliminées, là on peut rechercher une cause primitive avec notamment les syndromes myéloprolifératifs. Alors, je regarde l'heure, il est 22h. Concernant... Oui, on a volontairement éludé certaines questions parce qu'on en a déjà parlé dans les DP, donc on va essayer de passer. Mais si jamais... ouais. Et juste une petite chose en plus, la leucémie myéloïde chronique, elle parfois, dans de rares cas, se présente sous la forme d'une thrombocytose isolée. Donc, il ne faut vraiment pas l'oublier comme diagnostic. Dans l'hypothèse d'une thrombocytose. Il faut rechercher la thrombocytose essentielle, mais aussi la leucémie myéloïde chronique. Et non, on n'a pas dû corriger la question 4, mais je pense qu'elle fait partie des questions qu'on On a fait sauter, c'était, je crois, sur un bilan d'anémie. On en a déjà parlé. Voilà. Mais de toute façon, vous aurez toutes les questions détaillées. Oui, sur Inès, vous aurez la correction détaillée. On essaie de vous sélectionner les questions les plus intéressantes pour avoir une correction qui ne soit pas trop longue et aussi pouvoir échanger, faire ces petits apartés sur vos questions. Voilà. Mais si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et on revient dessus. Donc, concernant la leucémie aiguë myéloïde, quelles étaient les propositions vraies? Donc, l'immunophénotypage sur moelle permet de caractériser la population blastique pour confirmer sa lignée. Donc, ça, c'est vrai. L'immunophénotypage, le but, c'est de savoir si on est dans un contexte de LAM ou de LAL. La BOM, elle n'est pas indiquée dans le diagnostic de la leucémie aiguë.
La cytogénétique, via l'analyse du karyotype, elle ne permet pas de détecter les mutations, elle permet d'analyser donc le karyotype et donc les chromosomes, ce qui va permettre d'analyser les mutations à l'origine de la leucémie, ça va être les analyses moléculaires. Et donc sur l'hémogramme, le syndrome myélodysplasique et la myélofibrose peuvent constituer des diagnostics différentiels, ça c'est vrai. Pour les syndromes myélodysplasiques, donc on peut avoir un excès de blastes. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'il est inférieur à 20% mais dans la moelle. Et la myélofibrose, elle peut se présenter sur le versant pancytopénique. Et dans ce cas-là, c'est l'examen médulaire aussi qui va nous permettre de répondre à cette question. Et la trisomie 21, c'est bien un facteur de risque de développer une leucémie aiguë. Ah, pardon. Alors, j'ai un doute. Pourquoi est-ce que la D, on ne l'a pas mise ? Je me remets sur la correction. Ouais, la D, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas coché. Bah non, non, mais je pense que je me demande si c'est juste moi qui ne l'ai pas coché dans le PowerPoint. Je me remets dessus rapidement. Là. Question 9. Oui, non, la D a été comptée bonne. C'est juste sur mon PowerPoint que je ne l'ai pas mise, mais dans votre correction, elle était comptée juste. Excusez-moi, c'est une coquille. Mais pour vous, elle était bien juste. Concernant le lymphome, donc le syndrome tumoral, il comprend fréquemment les symptômes B. Alors les symptômes B, il y en a trois, c'est la fièvre, les sueurs nocturnes et la perte de poids. La fièvre supérieure à 38,5, la perte de poids et l'amaigrissement, je crois que vous avez un seuil de plus de 10%. En moins de 6 mois, mais ce n'est pas l'anémie ni les douleurs inflammatoires qui rentrent dans les symptômes B. Le dosage des LDH, il fait partie des éléments pronostiques de la maladie que l'on va consigner au sein du score pronostique, qui est le score IPI, qui va prendre en compte, je vous ai mis une diapo juste après, donc l'âge, les localisations extra-ganglionnaires en plus du stade de Ann Arbor, les LDH qui vont être le reflet indirect de la masse tumorale et le score EMS. Vous n'avez pas à connaître ce score, enfin juste à savoir ce qu'il y a dedans, les éléments qui sont pronostiques. Les adénopathies, elles ne sont pas fixées dans le lymphome, donc elles n'ont pas d'adhérence au plan profond. Et parmi le syndrome tumoral compressif, donc il y a le syndrome cave supérieur et les épidurites quand il y a des compressions médulaires. Et la ponction ganglionnaire, ce n'est pas l'examen clé du diagnostic. Ça, on l'a déjà dit, mais on réinsiste dessus. Le diagnostic de lymphome, c'est un diagnostic histologique qui nécessite une biopsie. Question 11. Donc sur le myélome multiple, les causes d'insuffisance rénale aiguë. Les bonnes réponses ici, c'était la néphropathie à cylindre myélomateux, qui est la cause la plus fréquente d'insuffisance rénale dans le myélome. La nécrose tubulaire, qui peut être provoquée par la prise d'ANS. Et l'insuffisance rénale fonctionnelle, qui va être secondaire donc, à la déshydratation qu'on a dans le syndrome polyuropolydeptique, qui est lié à l'hypercalcémie. La glomérulonéphrite extramembraneuse, ce n'est pas une cause qu'on retrouve dans le myélome et puis ce n'est pas une cause d'insuffisance rénale aiguë, c'est chronique. Et dans l'amylose, qui est associée au myélome, c'est une précipitation glomérulaire que l'on retrouve et pas une précipitation tubulaire. Là, je voulais faire un petit rappel sur la protéinurie et le myélome. Donc le myélome,
La nécrose tubulaire aiguë, ça va être la précipitation des chaînes légères dans les tubules. Et donc dans le myélome, pour diagnostiquer la protéinurie, l'examen le plus facile que l'on ait, c'est la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, c'est un examen qui va retenir, qui va surtout détecter les grosses protéines, notamment l'albumine. Donc, dans le myélome, vous avez souvent une BU qui est négative ou faiblement positive. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, la fausse négativité, c'est souvent des chaînes légères. Et donc, un myélome qui a une BU positive, avec deux croix ou trois croix, ça doit vous faire éliminer une amylose ou en général une pathologie glomérulaire, parce que justement le propre des chaînes légères, c'est pas d'être des grosses protéines et donc d'être peu ou pas détecté par la bandelette urinaire. C'est vraiment important de retenir ça, parce que le pronostic il change du tout au tout quand on a une amylose associée au myélome. C'est pas les chaînes légères de l'amylose qui passe dans le tubule, c'est vraiment l'amylose, ça va induire une infiltration au niveau de votre glomérule, et donc du coup vous allez avoir toute la chaîne en entier qui va passer, parce que dans le glomérule il y a les grosses chaînes qui peuvent passer et pas dans le tubule, et donc en fait quand vous allez avoir une infiltration. Alors, je ne suis pas spécialiste de la physiopathe du rein, mais en fait, l'infiltration que vous allez avoir au niveau glomérulaire, elle va faire que vos grosses chaînes, elles vont passer, et donc vous allez les détecter à la BU. Donc, si vous les détectez à la BU, c'est que vous avez une atteinte de votre glomérule, et donc il faut rechercher une pathologie glomérulaire autre que le myélome. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Oui. En fait, le terme de recherche de protéines sur la bandelette urinaire, il est un peu échaudé, comme tu le disais au début. C'est plus une recherche d'albumine. Et donc, pour que l'albumine elle passe, il faut que les glomérules soient touchés. Et la tubulopathie myélomateuse, il n'y a pas d'atteinte normalement des glomérules, comme tu le disais. Et aussi, pour répondre à la question d'Agathe en même temps, les chaînes légères de l'amylose, ils peuvent précipiter dans les tubules. Mais c'est pas du coup l'amylose qui est à l'origine de ça, c'est la gammapathie monoclonale qui est sous-jacente. C'est le myélome qui est sous-jacent qui est à l'origine. Donc amylose, c'est une infiltration du rein qui va donner une atteinte des glomérules avec une protéinurie glomérulaire, une albuminurie, une bandelette positive. Et de l'autre côté, il y a la tubulopathie myélomateuse, où vous avez les chaînes légères qui précipitent avec l'uromoduline au niveau des tubules. Et ça, c'est une manifestation du myélome. Il ne faut pas confondre les deux, amylose et myélome. Même si les deux sont possiblement associés. C'est pas les mêmes atteintes au niveau rénal. Donc, tout ce que tu as dit, c'était bien. Donc voilà, donc ça c'était pour refaire un petit point. La Curoc, donc quelle analyse complémentaire vous allez prescrire en première intention chez un patient de 55 ans qui est identifié pour la première fois pour une thrombopénie à 25 sans signe hémorragique? Alors, la première des choses quand on est face à une thrombopénie, c'est de s'assurer que cette thrombopénie, elle est vraie, et donc il faut faire un frottis pour éliminer l'absence d'amas plaquettaires. Si jamais on en trouve, il faut faire un contrôle sur un tube citrate pour pouvoir compter en fait les plaquettes. Quand vous avez un amas plaquettaire, votre automate il n'est pas capable de distinguer les plaquettes une à une, et donc il va sous-estimer ce compte. Et donc il suffit de changer d'anticoagulant pour éviter cette précipitation-là. Ces amas plaquettaires, ils n'ont aucune valeur clinique, la présence d'amas, elle est liée uniquement au fait que les plaquettes, elles entrent en contact avec les anticoagulants. Il n'y a pas d'amas plaquettaire à l'intérieur du patient. Et alors, on a eu un petit débat tout à l'heure, je crois, sur est-ce que le frottis sanguin est un examen qui se prescrit
Oui, Oui. mais si vous avez mis un contrôle sur tube citrate, On a compté bon. on le comptera bon. Mais Et l'idée, juste, c'est d'aller regarder. ouais. Et juste faire attention à ça, c'est vraiment il y a un rang dans le thème thrombopénie juste sur ça, sur la fausse thrombopénie à l'UDTA, parce que c'est hyper fréquent. Il y avait une étude qui a été faite au CHU d'Angers. 40% des patients qui ont une thrombopénie sur un bilan dans leur hôpital, c'était une fausse thrombopénie à l'UDTA. Et donc, faut vraiment y penser. Et voilà, comme tu le disais, ça n'a aucune valeur clinique. Hein, parce que c'est vraiment dommage d'envoyer ces patients en consultation d'hémato pour ça. C'est une perte de temps pour tout le monde. Les patients, souvent, qui vont se faire opérer et on décale leur chirurgie à cause de ça. Le médecin aussi. Et puis, ça rajoute du stress au patient alors qu'il a rien. C'est une anomalie purement de laboratoire. Donc là, vous avez une patiente de 21 ans qui vous consulte pour de la fièvre, des courbatures et une asthénie depuis 4 jours. L'examen, il met en évidence une polyadénopathie et vous avez l'hémogramme qui est disponible juste ici. Donc toujours quand pour lire l'hémogramme, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hyperleucocytose à 13 gigas. Hyperleucocytose, pas d'anémie associée, pas de plaquettes, enfin pas de thrombopénie associée, pardon. Et puis, vous avez pas d'excès de cellules normales, mais par contre, vous retrouvez un excès de cellules mononucléées qui sont hypervasophiles, qui représentent 48% de vos cellules totales. Et donc, quelles étaient vos hypothèses diagnostiques? Là, quand vous avez ce bilan en face de vous, donc hyperleucocytose à cellules mononucléées qui représentent plus de 50% de vos cellules totales, donc les cellules mononucléées, ça va être les celles qui sont hyperbasophiles et les lymphocytes, il faut que vous pensiez à un syndrome mononucléosique. Et donc les causes de syndrome mononucléosique, comme on a dit tout à l'heure, ça va être le VIH, le BV et le CMV. Là, il n'y avait pas d'argument pour penser à une leucémie du lymphoblastique. On aurait vu a priori des cellules immatures et le lymphome de Hodgkin. Il n'y a classiquement pas d'envahissement sanguin, pardon. Le collège de moto. Je lis vos questions en même temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Péridor, mais moi, juste sur le fait qu'il y ait une polyadénopathie, je ne sais pas si j'ai éliminé le CMV. C'est Mais. pas, je suis d'accord que c'est pas le plus fréquent qu'il y ait des adénopathies. Je serais pas au point de l'éliminer, hein, je suis d'accord avec toi là-dessus. J'éliminerai pas là-dessus. Hein. En fait, le truc, c'est toujours, la question qui tombe souvent, c'est qu'est-ce qui permet de différencier la mononucléose d'une primo-infection CMV? Et souvent, là, ils vous mettent en avant les adénopathies, l'angine. C'est ça qu'ils vous citent tout le temps. On parle tout le temps de ça. Mais c'est vraiment pour la comparaison EBV-CMV. C'est la question, voilà, qui est souvent posée. Oui. Après, là, c'est vrai que il fallait surtout voir le syndrome mononucléosique. Ouais. Bon, peut-être que la polyadénopathie, ça peut prêter à Ouais, c'est à peu près ça. mais. Voilà, c'est. Je suis pas convaincu que j'éliminerai. Et c'est Non, pareil, non c'est plus. que ces dossiers-là, on les a revus avec à plusieurs et aussi avec le professeur Aure Perrault, qui est hématologue à Toulouse, et on a validé ça. Donc, toujours un peu la limite entre la façon dont sont tournées les questions. Faut surtout faire très attention à ça, hein, aux énoncés. L'hyperleucocytose
hyperéosinophilie chronique, quelles atteintes vous pouvez retrouver? Donc, c'est surtout des atteintes, des infiltrations d'organes, notamment cardiaques et neurologiques et cutanées. Il n'y a pas de... Le syndrome de leucostase, il n'est pas lié à la présence d'éosinophiles, il est lié à la présence d'une hyperleucocytose, alors souvent dans les leucémies aiguës myéloïdes, et alors souvent avec des taux qui vont dépasser les 100 gigas et qui vont, en fait, c'est l'excès de cellules qu'on va retrouver dans le sang qui va aller boucher les petits capillaires qu'on va retrouver au niveau pulmonaire et au niveau cérébral. Mais l'hyperéosinophilie chronique, qui va être un taux d'éosinophile supérieur à 1500, ça ne va pas donner de syndrome de leucostase. La leucostase, c'est vraiment quand on a énormément de globules blancs dans le sang. Et ça ne donne pas d'atteinte rénale. Parmi les effets secondaires suivants, lesquels peuvent être observés lors d'une chimiothérapie par anthracycline? Alors, là, les réponses, c'était l'alopécie. Donc, la chimiothérapie, en général, c'est des molécules qui vont... qui vont altérer toutes les cellules qui se divisent rapidement, donc les cellules sanguines, mais aussi les cellules cutanées. Donc c'est pour ça qu'il y a des altérations de la peau, de la perte des cheveux et le tube digestif avec tous les signes digestifs qui sont associés. Donc l'alopécie, c'est un effet secondaire qu'on trouve classiquement dans énormément de chimiothérapie, pas spécifiquement les anthracyclines. Les nausées et les vomissements, pareil, ça va avec l'atteinte du tractus digestif. Et par contre, la nécrose cutanée en cas d'extravasation, ça, c'est un signe, c'est une complication spécifique des anthracyclines. Et donc, en fait, quand il y a un risque, en fait, quand le produit diffuse au niveau cutané de nécrose, qui est assez important. D'ailleurs, souvent, les anthracyclines, en fait, c'est des chimios qui sont colorées, en fait, quand on les fait passer par chimiothérapie, justement pour pouvoir détecter la fuite assez rapidement et pas se demander est-ce que c'est du sérum phi ou est-ce que c'est la chimio qui a extravasé. Et dès qu'il y en a, en fait, dès qu'il y a une fuite, il faut tout de suite arrêter la chimio, essayer de réaspirer et puis surtout appeler le chir plastique le plus rapidement possible. C'est pour ça que toute chimiothérapie par anthracycline nécessite la pose d'une voie centrale pour avoir justement accès à un gros vaisseau qui ne va pas être fragile comme les petits vaisseaux de la peau. L'autre complication classique qu'on retrouve avec les anthracyclines, c'est une insuffisance cardiaque, mais qui va survenir à dose cumulée. Donc en fait, c'est dans la vie d'un patient, on ne peut pas dépasser une dose d'anthracycline, sinon il y a un risque que derrière il fasse une insuffisance cardiaque. Et c'est pour ça que dans le bilan, on fait une échographie cardiaque pour avoir un point de départ. Parce qu'un patient qui a déjà une insuffisance cardiaque, il pourra supporter moins d'anthracycline que quelqu'un qui n'en a pas. Et ça ne donne pas d'atteinte rénale. Les neuropathies périphériques, c'est les alcaloïdes de la pervenche qui vont donner ça, donc la vincristine, enfin des chimiothérapies qu'on donne notamment dans les lymphomes neurogrammes. Voilà, donc là je vous ai remis les deux complications des anthracyclines. Je vous ai mis aussi la bléomycine qui vous est notée dans le lymphome de Hodgkin, qui donne des fibroses pulmonaires, et donc dans le bilan, il faut faire un EFR et une DLCO en pré-thérapeutique. Alors, donc là, vous avez un patient qui vient vous voir en consultation, il présente un pic monoclonal à 42 grammes sur son électrophorèse, et l'immunofixation est en faveur d'un pic IgM. Le patient, il se plaint de céphalée, de flou visuel et d'épistaxis. Quel bilan vous allez prescrire? Alors du coup là,
Je pense qu'on a changé par rapport à ce qu'on vous avait mis, parce que ça devait être le ScanTap injecté qui était prescrit, mais on aurait d'abord envie de faire une créatinine avant d'injecter un scanner. Donc là, la suspicion que vous avez, un pic IgM, ça doit vous évoquer le lymphome lymphoplasmocytaire ou maladie de Waldenström, qui est un des diagnostics différentiels que vous avez dans le myélome. Et le fait qu'il ait des céphalées flou visuel et épistaxis, ça vous fait penser à la complication de la maladie de Waldenström, mais qu'on retrouve aussi chez tout patient qui a un pic monoclonal élevé, c'est le syndrome d'hyperviscosité. Donc, le syndrome d'hyperviscosité qui va en fait venir boucher les... Enfin, il faut vous imaginer qu'en fait les grosses immunoglobulines, parce que les IgM sont des très grosses immunoglobulines par rapport aux IgG, et donc quand vous avez un pic important, du coup votre sang il va être plus visqueux et donc il va moins facilement en fait circuler en fait dans le sang, et donc cette stase en fait ça va induire des petits thrombus qu'on va retrouver, enfin des petites hémorragies pardon, qu'on va retrouver notamment au niveau oculaire, d'où le fait de faire un fond d'œil en urgence pour détecter s'il y a des hémorragies oculaires. Donc du coup, comme vous suspectez une maladie de Waldenström, vous allez faire un myélogramme, donc pour rechercher la présence de lymphoplasmocytes et faire les analyses moléculaires pour rechercher MYD88, qui est l'anomalie moléculaire qu'on retrouve dans le lymphome lymphoplasmocytaire. Et puis, l'ANFS pour rechercher des complications liées à la présence du Waldenström, donc des cytopénies. Pareil, la créatinine et la calcémie. Alors, on ne retrouve pas le lymphome de Waldenström, la maladie de Waldenström, ce n'est pas un lymphome qui donne classiquement une atteinte rénale, mais ni une hypercalcémie, mais vous êtes dans le diagnostic différentiel de est-ce que vous êtes dans le cadre d'un myélome à IgM qui est extrêmement rare, mais qui peut exister. Donc, on va rechercher tous les signes CRAB. Et par contre, éliminer bien évidemment la présence d'un Waldenström et faire un autre fond d'œil. Ensuite, on avait des questions sur la transfusion. Donc là, pour la transfusion, la validité de la recherche des RAI est de 4 jours, c'est 3 jours. On peut avoir une dérogation de 21 jours quand le patient n'a pas été transfusé dans les 6 mois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les RAI, c'est 72 heures. Les patients, ils doivent avoir des transfusions irradiées dans le cadre d'aplasie chimio-induite. Alors aujourd'hui, toutes les poches de transfusion, elles sont déleucocytées. Il n'y a plus de globules blancs, donc du coup, il n'y a pas de... Enfin, les transfusions irradiées, elles se font pas, dans le contexte des aplasies. Et par contre, on irradie pour les patients qui ont eu une greffe de moelle, enfin une allogreffe. Ouais, voilà, je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Pour les patients qui ont eu une allogreffe, on peut faire, on doit faire des transfusions irradiées parce qu'on ne sait jamais s'il reste des cellules qui peuvent rester dans la poche, mais pas dans le cadre des aplasies. Le test de Bess-Vincent, il est obligatoire même en cas d'urgence vitale, toujours. Donc ça, c'est le test de compatibilité qu'on fait au lit du patient pour être sûr que la poche qu'on va transfuser, elle est bien compatible avec notre patient. Les transfusions de culoglobulaires phénotypées étendues pour tout patient soigné en hématologie,
Alors, ce n'est pas le cas. On fait des transfusions phénotypées, simplement, pour les patients qui sont transfusés en hématologie. Le phénotypage étendu, il est réservé aux patients... j'ai un doute. C'est les... Pardon, c'est quoi la question ? Les phénotypes étendus. Phénotype étendu, c'est surtout les hémoglobinopathies, oui. Drépano et thalassémie. Et dans certains cas où ça peut arriver des myélodysplasies de bas risque, que tu vas vraiment transfuser pendant très très longtemps, ça peut se débattre dans certains centres. Mais ça va dépendre si le patient commence à avoir des RAI positives, etc. Enfin, c'est pas bien acté pour phénotype étendu et myélodysplasie. Il peut passer les MCMD aussi. Et aujourd'hui, maintenant, on ne vérifie plus la présence de CMV ou pas dans les culoglobulaires. Ouais, ça n'a pas montré de bénéfice. Je reviens juste sur une question sur le chat. Le lymphome de Hodgkin, non, il ne donne pas d'atteinte dans le sang classiquement. Et la cellule de Richtenberg, c'est une cellule qu'on retrouve dans les ganglions quand on fait l'analyse histologique. Ce n'est pas une cellule qui va circuler dans le sang. C'est vraiment une cellule qui est retrouvée dans le ganglion. Et donc, du coup, pour revenir sur les degrés d'urgence transfusionnelle, vous avez trois degrés d'urgence, relative, vitale et vitale immédiate, qui vont correspondre en fait aux examens que vous allez demander avant de faire votre transfusion. Donc, une transfusion classique, on fait un groupe et des RAI. Il faut deux déterminations du groupe pour pouvoir savoir quel est le groupe sanguin du patient. En cas d'urgence vitale, donc c'est que vous voulez transfuser dans un délai de, enfin d'avoir les poches dans un délai de moins de 30 minutes, là vous pouvez faire, vous faites le groupe sanguin, mais vous ne transfusez pas en fonction du rhésus, en fonction des RAI, pardon. Et en cas d'urgence vitale immédiate, là vous avez pas besoin ni du groupe ni des RAI pour transfuser. Alors, vous allez prélever le patient, mais vous n'allez pas attendre les résultats avant d'avoir votre transfusion. Et en général, dans ce cas-là, vous allez transfuser du ONEG qu'on va réserver à la femme enceinte ou en âge de procréer. Et tous les autres patients, on va leur donner par contre plutôt du O positif. Et donc, comme on l'a dit, le contrôle ultime, on le fait quel que soit le degré d'urgence. Alors, vous avez un patient de 80 ans qui a deux stents pour une cardiopathie ischémique, une anémie à 7-9, mais pas de signe de mauvaise tolérance de l'anémie. Et donc, on va y venir, je crois. Vous lui avez prescrit une transfusion de 2 culoglobulaires que vous avez prescrit en débit libre parce qu'il faut que le patient y rentre à l'EHPAD rapidement. Et donc, lors du transfert en ambulance, après la fin de la transfusion, il présente une détresse respiratoire brutale. Il est apyrétique. Il a une saturation à 90%, il est hypertendu à 15,7 et l'auscultation, elle retrouve des crépitants jusqu'à mi-champ. Donc, quelles vont être les hypothèses sur cet épisode? Là, les réponses ici, c'était le trali et l'OAP de surcharge. L'hémochromatose secondaire, elle donne... Alors, elle ne va pas être déjà arrivée avec deux culoglobulaires et puis surtout, elle n'aura pas de manifestation. Ce n'est pas ce tableau clinique-là, ça ne donne pas de manifestation respiratoire brutale. L'insuffisance hépatique aiguë, pareil, ça ne va pas donner de détresse respiratoire brutale. Et le choc septique, votre patient, il est apyrétique.
mais bien sûr qu'il pourrait faire une décharge septique, mais là votre patient il est apyrétique, donc c'est pas le tableau. Donc du coup, là, je vous ai remis les deux différences qu'il peut y avoir entre le trali et donc le taco qui est l'OAP. Donc le trali, ça va être un tableau de SDRA, donc de syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui va pas. Dans le trali, classiquement, vous avez une tension qui est normale, avec pas de fièvre ou alors un tableau qui va être subfébrile. C'est pas lié à l'apport à la surcharge vasculaire qui est apportée par l'excédent de liquide qui a été apporté par la transfusion. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas classiquement l'hypertension, pas classiquement les BNP qui sont élevés, et vous n'avez pas d'anomalie en fait au niveau cardiaque, donc vous n'avez pas d'altération de la fraction d'éjection. C'est vraiment une réaction inflammatoire au niveau des capillaires pulmonaires. Et donc voilà. À l'inverse, l'OAP qui va être donc lié à l'apport massif de fluide, vous allez avoir une tension qui va être normale à élevée parce que c'est le cœur qui va avoir des difficultés en fait à gérer le surplus de liquide que vous avez apporté, surtout chez un patient qui était déjà cardiaque avec donc une dysfonction cardiaque avec une cardiopathie ischémique. Et donc du coup là en fait vous allez avoir une fuite de liquide au niveau pulmonaire et donc un envahissement au niveau des alvéoles. Et donc, vous allez avoir les BNP qui vont être augmentés avec la pression pulmonaire qui va être augmentée, une altération de la FEVG de votre patient qui va avoir du mal à gérer en fait cet excès de liquide. Et donc, une détresse respiratoire non fébrile chez un patient qui vient d'être transfusé, il faut évoquer ces deux causes-là, même si on a des signes pour nous orienter sur l'un plutôt que l'autre, mais là, en tout cas, oui, l'hypertension, elle est peut-être, et le tableau clinique de notre patient qui est cardiaque, elle est plus en faveur de l'OAP, mais on a finalement pour l'instant rien comme élément pour éliminer le trali. On n'a pas d'examen biologique. Enfin, juste sur la clinique, c'est un peu difficile d'éliminer le trali. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Pierre-Edouard. Non, c'est bien. Voilà, en gros, retenez détresse respiratoire vasculo, c'est les deux hypothèses. Pour être aidé, en fait, ce qui va vraiment permettre la différenciation des deux, c'est l'évolution et surtout le test au diurétique. Voilà, vous faites ça. Et le taco, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquent que le trali, qui a quasi disparu depuis qu'on a banni certaines personnes du don du sang. Mais c'est une histoire qui dépasse très largement le sujet de cette conférence. Et pour essayer de gagner du temps, je ne vais pas la raconter. Voilà, donc taco beaucoup plus fréquent, mais vous ne pourrez pas éliminer un trali juste sur la présentation initiale. Un autre patient, 30 minutes après la transfusion de plaquettes, qui présente des frissons avec de la fièvre chez un patient qui était apyrétique après la transfusion. Donc,
quels éléments de la prise en charge allez-vous mettre en place? Donc, ce n'est pas obligatoirement un syndrome de frisson hyperthermie, même si c'est l'étiologie la plus fréquente, mais il y a d'autres choses qu'il faut éliminer. Votre patient, il était apérétique avant la transfusion, ça peut très bien être une décharge septique ou alors la transmission d'un agent infectieux par la poche. Donc, il faut prendre le reste des constantes, faire un bilan infectieux et puis envoyer la poche en bactériologie pour analyser. Déclarer à l'hémovigilance, oui, parce que c'est ce qu'on appelle un accident transfusionnel. Et donc, ça va permettre de vérifier s'il n'y avait pas de problème par rapport à la poche. Et ça peut aussi être une réaction liée à des anticorps anti-plaquettes. C'est des réactions qui sont assez fréquentes et qu'on prévient par l'administration d'une prophylaxie par antihistaminique chez ces patients-là. Les poches de plaquettes, elles sont assez petites. L'apport volumique, il est pas très important. 2 kilos de sang, ça équivaut à un remplissage de 500 ml, mais une poche de plaquettes, c'est vraiment ça n'a pas un volume très important. Donc, ça peut pas. La réponse, elle était fausse. Et enfin, pour les questions isolées, donc notre patient, il a une hypotension à 7,3 à la suite d'une transfusion de 2 kiloglobulaires au cours d'un traitement de leucémie aiguë. Quelles étaient les hypothèses sur cet épisode? Donc là, une hypotension à 7,3, ça doit vous faire évoquer un choc, un tableau de choc. Donc ça pouvait être un choc bactérien parce que votre patient il est en cours de traitement de leucémie aiguë, il est neutropénique, il est même en aplasie, donc à risque à risque majeur d'infection. Le choc anaphylactique, il peut y avoir des réactions allergiques au cours des transfusions. Le choc cardiogénique, c'est le même tableau que tout à l'heure. La transfusion de 2 kiloglobulaires, c'est un apport volémique important et donc, du coup, on peut avoir un tableau d'OAP qui peut aller jusqu'au choc cardiogénique. L'hypocalcémie, elle ne donne pas de tableau, d'hypotension. Et le choc obstructif, là, dans ce contexte, vous n'avez aucune raison de faire une obstruction à quoi que ce soit. Je n'ai pas compris. Je pense que c'était à la question d'avant, c'était la question 19. En fait, je ne me souvenais plus d'énoncer la 19 par cœur pour y répondre. Ouais, en fait, c'est juste n'importe quoi là. C'est... Oui. Voilà, j'ai vraiment. Je crois que c'est moi qui l'ai écrit celle-là. Je l'ai vraiment alambiqué pour qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, ça n'a pas de rapport. Oui. On peut pas. Oui, il n'y a pas de thrombose avec la transfusion de plaquettes, effectivement. Ouais. Mais ça n'existe pas. Voilà. Et du coup, il doit rester le KFP. Oui. On va finir là-dessus. Donc, vous avez une femme de 21 ans qui vient à votre consultation pour une asthénie depuis quelques mois. Donc, elle vous présente une partie de ses résultats de prise de sang. Donc là, vous avez une hyperleucocytose à 25 gigas par litre avec une hyperpolynucléose à 22 gigas par litre, vous n'avez pas le reste de sa NFS. Son ionogramme, il est normal, pas d'insuffisance rénale et pas d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. Et donc, quelles sont les trois anomalies sur la prise de sang ou le frottis qui orienteraient vers une LMC en phase chronique dans ce dossier? Donc,
Les réponses étaient la thrombocytose, l'éosinophilie et la basophilie. Donc dans la LMC, vous avez en fait toutes vos lignées granulocytaires qui vont être en excès. Alors, la basophilie particulièrement doit vous évoquer le diagnostic de LMC. Comme on a dit tout à l'heure, il peut aussi y avoir une thrombocytose. La blastose sanguine supérieure à 30%, ça ne vous évoquerait pas la LMC en phase chronique, mais plutôt en phase accélérée ou même transformée en leucémie aiguë. Dans la LMC, il n'y a pas de baisse de monocytes, il peut y avoir une monocytose, mais c'est pas le plus fréquent. La lymphopénie, elle ne vous orienterait pas vers la LMC non plus, ni l'hyperlymphocytose. La LMC, ça reste une pathologie myéloïde, donc il n'y aurait pas, a priori, d'atteinte de vos lignées lymphocytaires, donc pas de lymphopénie ni d'hyperlymphocytose. Les lymphocytes atypiques et les ondes de Grünprech, pareil. Il n'y a pas d'anomalie de la synthèse des érythroblastes, donc il n'y a pas de raison d'avoir une anémie. Il peut plutôt y avoir d'ailleurs une polyglobulie, mais votre VGM il va rester normal. Et puis sinon, pas de mononucléose non plus. Ben, je ne sais pas s'il y avait des questions, mais je pense pas. Non. Non, c'est... donc, vous avez une basophilie, l'éosinophilie et la thrombocytose sur la NFS. L'hémoglobine, elle est à 14. Et donc, vous suspectez une LMC. Quel est le bilan à réaliser au diagnostic? Donc, la... LMC, le diagnostic, ça se fait avec la recherche du transcrit de BCR-ABL dans le sang et avec le karyotype pour rechercher donc la translocation 922 qui va être à l'origine du transcrit de fusion BCR-ABL lui aussi dans le sang. Le myélogramme dans la LMC, il va être important parce que il faut savoir si votre patient il est en phase chronique ou accéléré ou transformé. Mais par contre, le diagnostic de la LMC, on le fait au niveau sanguin avec le transcrit BCR-ABL. Les mutations de Kallr et de MMPL, c'est des mutations qu'on recherche dans les autres syndromes myéloprolifératifs. Et là, vous n'avez pas de raison de penser que votre patient il est une fibrose. Ça peut... Non, même pas. Il n'y a pas de raison de penser. Ouais. Juste pour expliquer ça, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui est mal compris. Les syndromes préfératifs peuvent donner une myélofibrose. Donc, c'est le fait que les cellules vont se multiplier, ils vont consommer les ressources, ce qui va faire que les cellules de soutien vont être petit à petit remplacées par de la fibrose. Mais c'est un processus qui est très très lent, 5 à 10 ans au minimum. Une LMC, si on ne la traite pas, au bout de 6 mois, 1 an, elle évolue en leucémie aiguë. Et en fait, les patients, ils n'ont pas le temps d'évoluer en fibrose dans ce contexte de LMC. C'est pour ça qu'il n'y a pas de myélofibrose au cours de la LMC. Soit vous les traitez, ils sont en rémission, il n'y a plus de risque. Soit vous ne les traitez pas, ils se transforment en leucémie. Et la dernière question, pardon, du KSP. Ouais. On va y répondre. Ben oui, c'est ça. La principale évolution de la LMC, c'est le risque de transformation en leucémie. Et alors, il y a deux tiers de leucémie aiguë myéloïde et un tiers de leucémie aiguë lymphoblastique. Donc c'est pour ça qu'on a mis de leucémie aiguë
et qu'on a mis leucémie aiguë myéloïde, au cas où vous vous posez la question. C'est moins fréquent d'avoir une leucémie aiguë lymphoïde. C'est moins fréquent, oui, mais ça peut. Voilà. Alors, il y avait quelqu'un... Bon, alors déjà, merci Lali hein, pour la correction. 3h18, je pense qu'on est dans les temps. On a réussi à corriger quasi l'entièreté des questions, donc bravo. On va rester encore quelques minutes si vous avez des questions. Il y a quelqu'un qui demandait que je raconte l'histoire du trali et pourquoi... Pourquoi c'est beaucoup plus rare maintenant. En fait, le trali, c'est lié à l'activation des polynucléaires par la transfusion. C'est souvent l'apport d'anticorps, ou plus fréquemment, l'apport de polynucléaires activés qui vont venir aller endommager les poumons. Et ça, on s'est rendu compte que le facteur principal, c'était que le donneur ait des anticorps anti-HLA ou anti-polynucléaires. Et c'est surtout le cas chez les femmes multipares. Donc il a été rendu maintenant très compliqué pour les femmes multipares de donner des culots globulaires au vu de ce risque d'immunisation HLA. Et depuis qu'on a fait ça, le trali est devenu rarissime. Ça fait plusieurs années, par exemple, sur la région Île-de-France, qu'il n'y en a pas eu un. Nathanaël, le semi-aigu myéloblastique, ça passait. Oui, ça passerait, ouais. On passerait, mais je ne sais pas si on peut. Ouais, je pense pas qu'on l'ait mis, mais ouais, si on verra avec la conférence, il faut corriger les. Acheter des trucs, on pourra rajouter le semi-aigu myéloblastique. Bon, en tout cas, du coup, vous aurez, comme on a dit, accès à la correction. On va changer les deux petites coquilles qu'on a vues en corrigeant. Ouais, la plupart, normalement, c'est bon, elles sont corrigées. C'est parce qu'on n'a pas bossé sur sur la dernière version de la correction. Mais il y a d'autres trucs, vous aviez raison, on va les modifier. La question sur l'hyposegmentation, on en a déjà parlé, effectivement, c'est une coquille de notre part. Et c'est bien hyposegmenté dans les SMD et hyper segmenté dans les anémies carentielles. Et pour la transfusion en urgence vitale, c'est quoi la question? Est-ce qu'un groupage en transfusion, que ce soit en urgence vitale ou non, doit comprendre la recherche des antigènes? En gros, pour moi, tu fais tout. Ouais. Donc si c'est urgence, enfin l'urgence vitale, normalement, c'est le patient, il est en choc hémorragique, il est en arrêt. Dans ce cas-là, tu fais aucun test. Tu transfuses du au moins et tu fais juste le test. Ultime, c'est obligatoire, comme l'a dit Lali tout à l'heure. Et après, dans les degrés d'urgence, tu peux être amené à juste faire le ABO. Fait dans l'ABU, tu as le résus D en même temps. Et si tu n'es pas en urgence, là, tu peux tout faire. Tu peux faire l'ABO, les 5 résus, c'est lequel. Mais en fait, souvent, t'as pas besoin de tubes différents pour ça. C'est juste que c'est les résultats que tu vas attendre. Ouais. Dans ce cas-là, ils vont d'abord te donner, si t'es en urgence vitale, pas immédiate, ils vont te donner le groupe ABO et ça te suffit pour faire ta transfusion et derrière, ils compléteront le reste. Mais c'est les résultats que tu attends pour pouvoir faire ta transfusion.
Anémie mégaloblastique. Alors, c'est plus que dans les anémies carentielles, elles donnent souvent des VGM élevés. Mais dès lors qu'on a un VGM supérieur à 100, oui, on va aller rechercher une carence vitaminique, mais anémie mégaloblastique n'est pas égale à VGM supérieur à 20. C'est juste qu'on a plus fréquemment des VGM très importants dans les anémies mégaloblastiques. Ouais. Je ne sais pas si s'il y aura d'autres confs d'hémato après. Alors pour cette année, non. L'année prochaine, je pense qu'il y en aura de nouveau une. Et après, il y aura sûrement des écosses qu'on va faire en hémato. Et du coup, pour le message de Damia, donc macrocytaire supérieur à 100. Mégaloblastique, c'est normalement un aspect que tu as sur le myélogramme qui permet de conclure à l'anémie mégaloblastique et l'aspect typique de la carence en vitamine. Et il y a, en fait, le fait d'avoir un VGM supérieur à 120 fait que tu évoques très fortement une anémie mégaloblastique ou une myélodysplasie. C'est ça l'idée globale. Ben, je pense qu'on est bon là-dessus. Oui. Et ben, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Et puis, ben, bon courage pour la suite de vos révisions. Encore merci à toi, Lali, pour cette très belle conférence. Bonne soirée à tous. Et merci à toi d'avoir été là. Bonne soirée à tous.